Salut, salut! Alors, je check vite fait le son et la caméra avant de vous faire plein de bisous, bisous d'amour. Regardez, j'ai réussi à mettre le chat et tout. Poum, poum, poum. Je vais revérifier cette caméra en faisant les propriétés, etc., etc. Du coup, normalement, vous avez le son. Vous avez l'image qui ne zoome pas, dézoome pas n'importe comment. Du coup, je pense qu'on doit être bon. Est-ce que vous m'entendez? Hello! Alors, je vais évidemment attendre la réponse du chatounet. Pour être sûr que tout soit nickel. J'aime pas quand c'est pas propre et tout. Du coup, est-ce que vous m'entendez bien? Le son est-il bon? La musique est-elle trop forte? Est-ce que je parle déjà de trop? C'est fort possible, hein, il n'y a pas de problème. Hop. Je check ça. Hop. Alors, il y a la publicité, évidemment, qui m'empêche de checker immédiatement si c'est correct. Correcto patronum. Poum, poum, poum. Hop. Et bah, du coup, ça sert un pec. Du coup, bonsoir, bonsoir. Je suis super contente de vous retrouver à nouveau. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que la chaleur ne vous a pas trop tué. Enfin, ça va, hein, la grosse vague de chaleur, je crois qu'elle est bien passée et tout depuis la Japan Expo. Ah, c'est cool. Maintenant que j'ai activé les petits smileys et Betty TV, là, bidule machin sur Twitch, ça va vachement mieux. C'est vachement plus rigolo de voir tous ces petits smileys. C'est des petits singes, hein, je suis pas folle, des petits singes à poil bleu. C'est quand même bizarre. Du coup, vous et moi, vous avez surtout Blackie qui fait la sieste, que je réveille. Salut, 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 salut. Non, t'en as rien à foutre des gens. Blackie en a rien à foutre aujourd'hui. Peut-être que je vais pouvoir live sans qu'il vienne sur table en mode salut, je me pose, youhou. Yeah, c'est impeccable. Mais du coup, je vais juste peut-être un tout petit poil baisser à nouveau cette musique qui est quand même très très forte. Comme ça, vous avez vraiment un son d'ambiance et parce que je ne suis pas sur Mumble ou un autre logiciel de son. Du coup, la musique des voix va dépasser ma voix s'il y a un peu trop de montée épique. Et comme je ne sais pas régler le son parce que je suis une patate, on va pas trop chipoter. Hein. Du coup, hop là. Ah, je vois que vous êtes chaud patate, chaud patate. Oula, j'ai cliqué sur des boutons qu'il ne faut pas cliquer. On va arrêter de cliquer sur les boutons. Hein. Et du coup, bah, ce soir, moi, je vous propose de suivre un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les fleurs en tsumami. Ça fait déjà un bout de temps que je l'ai et je l'utilise jamais parce que tout simplement, bah, ce n'est qu'un livre, enfin, c'est un livre qu'avec que des fleurs un petit peu à mettre dans les cheveux à façon japonaise. Et du coup, bah, à part pour faire ça, il n'est pas utile. Il y a des livres de couture qui, des fois, bah, il y a plein de sacs à main, puis il y a d'autres choses à côté. Il y a toutes les bases qui regroupent. Et à ce moment-là, on peut l'utiliser pour plusieurs choses, et ça, c'est pas mal du tout. Mais celui-là, c'est vraiment si on veut faire des petites fleurs, en fait. Je l'avais trouvé super cool. Il est très, très bien imagé. Je vais vous le montrer, hein. Je vais un peu le feuilleter avec vous, vous montrer ses points forts et un peu ses points faibles. Je l'ai utilisé une fois pour faire une fois des fleurs. Et j'avais la mauvaise colle, du coup ça ne prenait pas du tout. Donc littéralement, je vais apprendre à les faire avec vous en live. Hein. C'est vraiment, j'ai pas du tout bossé le sujet ni rien. Vous allez voir à quel point c'est la catastrophe. Du coup, c'est un livre des éditions Saxe, écrit par Yukiko Tsuchida. Je l'ai mis en haut, là, sur le petit truc qui défile, sans faute d'orthographe, bien prononcé. Bon, je sais que c'est pas hyper lisible en mots, mais je le repartagerai. Donc, la couverture. Tout le livre est extrêmement joli. Les photos sont belles. Il y a vraiment des belles images.
C'est bien, enfin, c'est très artistique. Oula, je vais éviter de trop rapprocher le livre. Sinon, ça va faire un petit peu tout bloguer. Hop, par exemple, du coup, vous avez ce genre de page où justement, ben, on monte dans des tiroirs, porter les petites pièces. Moi, je trouve que c'est pas mal parce que comme ça, on voit vraiment un petit rendu. Alors, pourquoi les images sont super jolies? C'est que le décor est magnifique derrière. Hein. Ils ont pris du tissu bien cher, ils ont mis ça correctement. Allez, hop, on trouve un beau petit décor et on n'en parle plus. Hop, je vais retirer l'édition de la scène. Et du coup, directement, ça fait très très classe. À mon avis, nos premières fleurs vont ressembler à rien. Hein, qu'on se mette tout de suite d'accord. Il y a beaucoup, beaucoup d'images. Moi, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'un bouquin de couture qui n'a pas d'images, on comprend rien. On comprend rien. Encore ici, j'ai un bouquin avec plein de pochettes et tout. Il y a une photo, mais sur les étapes par étape, ben, ils ne mettent pas d'images. Du coup, c'est incompréhensible. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste incompréhensible. Et du coup, c'est nul. Et c'est le pire bouquin de couture que j'ai acheté. C'est le seul que j'ai acheté où il n'y a pas d'image de step by step. Et c'est de la merde. C'est tout simplement de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, ce qui est bien ici, c'est que du coup, on commence. Bah, bon, évidemment, il y a les images et la table des matières. Hein, juste avant, un petit avant-propos, une petite introduction et tout ça que je zappe sans aucune forme de pitié pour directement passer en fait au matériel de base. Du coup, il faut une pince, des ciseaux, de la colle, une corbeille, des lingettes, des perles. On vous explique quel type de tissu il faut choisir, comment il faut le découper, quelle colle correspond bien et un petit peu la méthode de base pour vous montrer un petit exemple ou deux. Alors là-dedans, on nous apprend à faire, attendez que je vous dise ça tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 fleurs différentes. Et après, on peut empiler plusieurs fleurs les unes sur les autres, évidemment, pour pouvoir vraiment faire des plus gros volumes sur un collier ou quelque chose comme ça. Je vais vous montrer. Nous, on va rester sur quelque chose de basique. On va faire les deux premières fleurs si on a le temps, parce qu'il faut chaque fois du temps pour que la colle sèche et s'imprègne bien au niveau du tissu, etc., etc. On va aussi se louper. Enfin, je vais surtout me louper. Puis là, il y a de la qui va être trop mignon, qui va nous distraire. Regardez-moi ce petit chat qui n'en a rien à foutre de ce que je raconte. C'est bien parce que la fois passée, il voulait vraiment pas me laisser commencer comme ça. Alors, j'écorche toujours vos pseudos. Hein. Coucou, Uzi Show. Uzi Show. Uzi Show. Et du coup, donc, on a notre matériel de base, on a le type de tissu, le type de colle, la méthode de base avec comment on pose les petites perles, avec vraiment les deux trois petites choses à mettre en valeur. Hello, Fox Director. Oui, Blackie, c'est le chat de la dissidence. Voilà. Non, ne lui dites pas d'aller reconquérir ce fauteuil. Vous savez à quel point il me casse les couilles et il défonce mon beau fauteuil. Il est tout défoncé sur le haut, il s'éclate. Et puis il se met comme ça et il me regarde en mode je te vois ne pas travailler. Je sais que tu es en train de glander sur le PC à regarder Supernatural. Je vois que tu ne fais rien à côté. C'est pas bien. Du coup, c'est un petit salaud. Alors, du coup, la première technique qu'on voit, c'est la fleur de base. C'est celle qu'on va faire ce soir. Elle donne super bien. Hein. Et vous voyez qu'il y a vraiment les step by step avec des petits croquis. Ils te redisent bien quel morceau de tissu il faut avoir et tout. Le résultat final, avant-arrière. Non, chérie, on va pas jouer à Kirby. Espèce d'un Christ. Je jouerai à Kirby quand tu viendras le faire en duo avec moi et que tu sauveras mes fesses en permanence parce que je suis tellement nulle que c'est horrible à regarder. Non, parce que les trois premiers niveaux, pas de soucis. Et encore sur la fin, heureusement que vous étiez là dans le chat pour m'aider. Mais la suite, j'ai un petit peu tâtonné. J'ai fait, oh putain, si j'ai pas de l'aide, je suis foutue. Et du coup, j'ai demandé de l'aide à Blacky. Blacky n'a fait, bah non, bon, qu'est-ce que tu me veux? J'adore, tu vois. Et du coup, il me faut vraiment un coup de main. Du coup, je pensais soit de faire appel à Seb, soit à une japonaise. Hashtag Sorina pour avoir vraiment un bon petit coup de main. Mais non, on va pas demander à Blacky de faire n'importe quoi. Du coup, vous avez ce deuxième type de fleur en fait qui est exactement la même que la première, sauf qu'il y a deux couches de tissu. Ça qui est pas mal, tu vois.
Mais pour Kirby, vraiment, ce qui se passe, c'est que je suis très très nulle et que du coup, j'ai aucun réflexe. Et que du coup, je sais pas si vous vous rendez compte, mais avancer vite et sauter, pour moi, c'est très compliqué. Même sur Kirby. Du coup, c'est épouvantable à regarder. Voilà, moi, ce que je propose, c'est que du coup, le lundi, on fait des lives où je fais de la couture. Et le mercredi, on fait un live où j'apprends à jouer aux jeux vidéo. C'est ça que vous allez m'annoncer, c'est ça? Ah. Mais Pokémon Go, justement, Yvon tout à l'heure m'a dit que c'était difficile de trouver des Pokémon, c'est ça? En ce moment, il y avait des problèmes avec l'application, c'est ça? Et quand même, faire 5 km pour des Pokémon. Moi, j'ai Blacky à la maison, tu vois, ça c'est un bon Pokémon, il bouge pas, il est facile à attraper, et il fait des câlins. Tu vois, c'est bien. Ça, c'est vraiment oui, non, non, je vais bien guider étape par étape, je vais zoomer, je vais prendre du temps. Vous allez clairement pas avoir le bouquin, allez hop, démerdez-vous, non, 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 je vais vraiment vous montrer, c'est ça le but du jeu. Donc vous avez les fleurs de cerisier qui est exactement la fleur d'avant avec deux couches de tissu, sauf que ben, ils ont un peu pincé le tissu, du coup ça fait une pétale qui est différente. Et il y a vraiment d'autres fleurs avec chaque fois des pliures différentes. Là vous avez les mêmes modèles. On a celle avec des pétales pointus. On va pas toutes les faire ce soir, hein, c'est pas possible. Il y en a une où il faut attendre 3 quarts d'heure que la colle sèche. C'est saoulant. Du coup, là, on a la pointe double, évidemment. C'est exactement la même qu'avant, mais en double. Vous avez celle-là, mais sur 2 étages, vous vous rendez compte? 2 étages! Oh là là! La patience de moine tibétain qu'il faut, putain. Vous avez la rose de Chine. De Chine, oui. Qui est vraiment, je trouve. Ouh, je vais réussir à viser, hein. Vous inquiétez pas. Qui est vraiment magnifique, moi je trouve. Là, je referai un. Attendez, j'essaye de viser, j'ai pas encore compris comment ça fonctionne, hein, viser et tout. Qui est vraiment magnifique et je pense qu'on refera un live là-dessus. Tac. On a le bouton de rose aussi qui est très mignon. Qui est tout petit, regardez. Et il y a des bonbons sur la mise en page. Ça, c'est pour que ce soit croqué. J'ai fumé la moquette. On a le tsunami roulé, où là, elle est vraiment beaucoup plus complexe, mais elle est. Très très joli, je trouve. Et puis on entend le rock du film numéro 4 d'Harry Potter. Et du coup, en fait, on vous montre que vous avez plein de façons de décorer ici. C'est toutes des images en fait, de nouveau. Et ouais, du coup, il est pas énorme hein, comme bouquin. Hop, vous avez de nouveau des mises en page. Oui, ils vont foutre de ma gueule. On va apprendre à feuilleter un livre, salaud. Et alors du coup, attendez, je vais vous montrer vraiment là où on voit très très bien les superpositions de fleurs. Voilà, c'est ici. C'est qu'on vous montre un méga collier avec beaucoup de fleurs et la pince qui est assortie, hein, qu'on peut mettre dans les cheveux, tout simplement. Hop. Ah non, je dis pas que j'ai la flemme, hein. J'ai pas la flemme pour la faire. Sauf qu'il faut beaucoup de patience et qu'il faut beaucoup de temps de séchage entre chaque étape. Du coup, c'est difficile de faire rentrer ça dans un live en fait de 2 heures. Surtout que j'aime me viander, du coup, c'est bien de pouvoir faire une petite chose petit à petit. On va faire ça relax. Et du coup, mais toutes les prochaines pages sont vraiment des images très très jolies de tout. Et on vous montre comment monter votre accessoire, quelle quantité de colle il faut, le type de petites pièces métalliques qu'il faut pour tout accrocher. Et à la fin, vous avez justement vous avez des indications supplémentaires avec des schémas assez basiques qui sont utiles pour bien calibrer quand on pose les pétales sur. On pose la colle en fait et les pétales sur la colle. Ça, c'est très important de savoir où il faut placer les pétales. Et moi, je trouve ça pas mal du tout. Ça nous empêche de faire n'importe quoi. Non, ça va pas m'empêcher de faire n'importe quoi, mais ça pourra vraiment être pas mal du coup. Et du coup, comme ça, vous avez vraiment vu ce livre. Alors, hop, comme ça, je vous donne toutes les références, hein. Il fait 80 pages avec toutes les interfaces et tout ça. Il vaut 12,50 € aux éditions Saxe. Et il est vraiment super mignon et tout ça. Mais après, payer 12,50 € pour faire une fleur de temps en temps, c'est. Et moi, comme j'aime bien faire ce genre de petits trucs un peu casse-couilles, c'est parfait pour moi. Du coup, on va commencer. Ah, oh, bah oui, hein.
On n'a pas le droit de glander aujourd'hui. Du coup, le matériel de base, il vous faut des ciseaux ou une roulette magique avec une planche à découper. Le rendu est vachement plus propre avec ce genre de roulette, sauf que il y a toujours mon doigt qui passe au travers. Du coup, on évite. Faites attention à vos doigts. Il vous faut du coup une pince. Mais alors, par contre, si vous avez juste une pince à épiler, c'est pas grave. Hein. Regardez, je tiens. Si vous avez une pince à épiler, c'est pas grave, hein, ça fonctionnera moins bien, c'est beaucoup moins pratique, mais c'est cool. Hop là. Oula, c'est quoi ce pseudo hyper long et qui me traite de mamie là? Infocoup arcade. Oui, je suis sadique quand je manie des ciseaux, sinon c'est pas rigolo, on est d'accord? Mais du coup, après les ciseaux, la pincette, vous avez la colle. Alors, eux, ils conseillent de la colle d'amidon. C'est une colle à base de fécule. Elle permet de fixer les plis du tissu pour former une pétale. Eh bien, moi, concrètement, j'ai de la colle sans couture, de la foire-fouille, qui est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Et de la colle à bois. Comme ça, parce qu'elle ne tache pas trop sur le tissu. C'est ça qui est pas mal et elle est très résistante. Et ce qui, surtout, ce qui est bien, c'est que le pot, là, il a l'air d'être un vieux séché, mais j'en ai d'autres, donc ça c'est pas mal. Il vous faut une petite corbeille, un capuchon, un petit quelque chose pour déposer toutes les pièces de tissu, vos chutes de tissu, enfin ce que vous voulez. Moi je vais mettre mes petits carrés parce que je vais forcément paumer mes petits carrés. Il vous faut des lingettes, des serviettes ou des trucs comme ça pour essuyer la colle en permanence de votre pince parce que sinon vous allez en foutre partout. Voilà, allez, des bisous. Du coup, cacon, cacon, et hello, Herlock 95, mais je suis belge donc c'est 95 et pas 95. Ah oui, des cookies, des cookies, des cookies au Geek Ferris, poum, poum. C'est grave, c'est la fête du slip, mesdames et messieurs. Et du coup, après les lingettes, il vous faut des petites perles. J'avais oublié de le mentionner avant, alors j'ai plein de strass et de breloques dans ce genre dans cette boîte de Trouvia. C'est une ancienne boîte de sucre. Hop là. Alors, pour commencer, du coup, maintenant qu'on a bien montré tout le matos, c'est qu'il était là. Oui, c'est tout expliqué. Blablabla, mes couilles. Hop, je place le bouquin à un endroit intelligent pour que moi je puisse le regarder. Alors, pour le tissu, moi je vous conseille tout ce qui est coton. Ça, c'est cool. Si vous avez d'ailleurs un peu des petits motifs, ça, c'est encore mieux. Moi, je vais commencer avec celui-là. Ce qui m'a fait beaucoup rire avec. Regardez. Regardez-moi ça comme il est trop cool. Ça, c'est le tissu du swag, mesdames et messieurs. C'est le tissu du swag, c'est tout. Et on va couper des petits morceaux parce que on aime bien se casser les couilles. Et du coup, regardez, je vais baisser pour que vous ayez une meilleure vue sur Blackie et sur mes seins. Et sur la table, évidemment. oui, hein, je pense que enfin, la colle normale, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut faire très attention au niveau de la quantité, combien tu en mets et tout. Parce que des fois, le tissu, il s'imprègne et du coup, ça change la couleur du tissu. Donc, c'est un peu dommage. Mais sinon, normalement, les petites colles comme ça, il n'y a pas de souci. Hein, il faut juste bien laisser tremper, etc. etc. Eh bien, quelqu'un, j'ai le droit de choisir le goût de mes cookies. Eh bien, je vais demander aux Smarties. Ça, c'est cool, les Smarties. Alors, un faucon. Non, je ne fais pas que des costumes pour JDG. J'en fais aussi pour moi. Je fais des commandes. Mais ici, ce soir, ben, je fais des petites fleurs de Tsumami. Oula, je perds mes lunettes. Hop là. Tout, tout, tout. Voilà. Mais du coup, on va commencer par couper nos petits morceaux par des morceaux de 3 cm sur 3 cm et on va en faire tout plein parce qu'il en faut d'avance évidemment. Si c'est un poil plus grand, c'est pas grave. Donc moi je trace d'abord tout évidemment. Je l'ai fait un tout petit poil plus grand en fait. Comme ça moi je vais bien pouvoir vous montrer comment on fait. Touk. On essaie de couper ça au maximum proprement mais bon. Ça va être redécoupé, redécoupé, redécoupé dans tous les sens. Hop. On est bon. J'ai fait plus ou moins à chaque fois les mêmes morceaux. La première fleur nous demande, attendez, ouh, 5 pétales. Hein, donc, enfin, 6, parce qu'il faut compter la base qui fera du 4 sur 4.
Du coup, moi j'en coupe d'avance parce que je sais que je vais me viander. Coupez-en, allez, 10-15, hein, comme ça laisse aux gens le temps d'arriver sur le chat s'il y a des retardataires et comme ça ils peuvent facilement nous rattraper en cours. Et du coup, bonne nuit. Franchement, je suis désolée, j'écorche toujours les pseudos. C'est pour ça qu'habituellement, j'essaye de faire des efforts, mais c'est assez compliqué. Je suis très très nulle. Et du coup, hop, on coupe les petites bandelettes. On jette les chutes, comme ça on s'en débarrasse tout de suite. Alors, j'essaye de faire ça pour que vous voyez quand même mes gestes. Même si je pense que couper des carrés de tissu n'est pas insurmontable. Hein, voilà. Tac. On coupe les petits morceaux. Parce que là, pour l'instant, c'est des languettes de 3 cm, mais on va en faire. Vas-tu faire un cosplay pour Baki, pour les Geek Fairies? Malheureusement, Baki ne vient pas aux Geek Fairies. Parce qu'il a été pas suffisamment sage au dernier live. Et oui, c'est la chasse de l'amour qui grince, évidemment. Mais franchement, de plus en plus, j'ai envie de faire des petits costumes pour ce chat. Parce que je trouve que ce serait une excellente vengeance à toutes les misères qu'il nous fait. Genre, voler les paquets de jambon, les os de poulet, ce genre de petites choses. Du coup, il a déjà une petite cape de vampire. Mais je sais pas trop en quoi le déguiser en fait. C'est surtout ça le problème. C'est qu'il y a tellement de costumes ridicules qui pourraient lui aller. Ce serait tellement pute de ma part d'en faire profiter le monde entier, avouez-le. Mais un petit bourriquet, vous savez, un petit costume de bourriquet. Ça me plairait beaucoup de lui faire ça. Mais avouez que ça c'est un peu pute de torturer un pauvre petit chat comme ça. Hein? Un pauvre petit chat sans défense comme ça. Vous avez pas honte d'essayer de le torturer comme ça, non? Hein? Pas du tout? Ah d'accord, je prononce le U à la française. Il faut que... Barcade. Vous avez vraiment des pseudos chelous, hein? Vous pouvez pas faire comme Yvon. Naltor, ça c'est facile. Sirayar, c'est facile. Kakon, c'est facile. Aritsu, ça c'est cool. Mais après, vous mettez des chiffres en plus derrière. Alors, ça, je suis encore plus perdue. Salut, Kelkundu. 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 Moi, j'aime bien Elkundu. Boudou. J'aime pas prononcer les choses à la fin. Alors là, comme c'est blanc sur blanc, je ne sais pas où je suis au niveau de mon trait. Donc, allez, hop, on met un coup de bique. Le respect est mort. Et du coup, voilà. On continue à couper nos petits carrés. On essaye de les faire de plus ou moins de la même taille, hein. Regardez, hop. On inspecte tout ça, on s'assure que ce soit bien propre. Un bon coup de ciseau tout droit, et on est bon. Je fais n'importe quoi. Et comme ça, avec le tissu que j'ai choisi, vous allez voir, on va avoir plein de pétales un peu différentes, et ça va être très très chouette. Oui, c'est bien 3 cm. Vous coupez des petits morceaux de 3 cm sur 3. Des petits carrés. Hop, et quand vous avez fini avec vos petits carrés dans la coupelle, pour pas les paumer. Ah. Hélène Tari, oui, ça c'est facile. Mais déjà avec les U, je prends ça à la japonaise ou à la française? Ebelu. Ebelus? Ebelus, Ebelus. La petite fait 19, tu vois. C'est ça, va. Ah, ça va. Alors, si vous paumez la coupelle, là, on est foutu, les gars. On est totalement foutu. Ça veut dire qu'on redémarre de zéro. C'est reparti. Mais si même moi, je ne suis pas capable de paumer la coupelle avant 1 heure de live, vous devez être capable de ne pas la paumer déjà maintenant. Non, mais de toute façon, voilà, c'est déjà un fait. C'est que dans les faits préétablis, j'écorche les pseudos. Que je les connaisse ou que je les connaisse pas, je les écorche avec beaucoup d'amour. Donc, sinon, c'est pas aussi rigolo, moi, je trouve. Tac. Et on continue à couper. Donc, allez-y, hein, coupez pour ceux qui réalisent avec moi les petites fleurs. On se partagera d'une façon ou d'une autre les photos après.
Je crois qu'on va faire un petit hashtag sur Twitter, Mamie Flower. J'aime bien le hashtag Mamie Flower. Ça c'est rigolo comme tout. Mamie Flower, le hashtag de l'amour. Tac. Et du coup. Et oui, ça prend déjà du temps. Déjà, rien que le fait de couper les petits morceaux comme ça. Bon, ça prend pas vraiment, vraiment du temps, quoi. Mais vous imaginez que pour certaines fleurs, il faut 30, 40 petits morceaux comme ça. Alors déjà, allez hop, la première heure de live, on coupe les petits morceaux. Allez hop. Du coup, il nous reste une demi-heure pour faire la fleur en entier. Et la colle met 45 minutes à sécher. Nous en avons pour 6 heures de live, mesdames et messieurs. Ça, c'est cool. Mais c'est Mamie Brodeuse, moi c'est un truc qui me fait mourir de rire. Justement, quand j'avais fait mon tout premier live, je ne savais pas comment l'appeler. Et je trouvais que c'était très très drôle de dire Mamie Brodeuse. Je sais pas pourquoi. Faut pas chercher, hein, des fois avec moi. Il se passe des choses comme ça dans ma tête, je suis une ouf. Et je trouvais que Mamie Brodeuse c'était très très drôle. Et du coup, je crois que le pseudo de Mamie va rester un petit peu. On avait Docteur Brodeuse, on avait Mamie Tardis. Oui, je travaille pour Starbucks. Voilà, ça, la vraie raison. Voilà pourquoi j'écorche les pseudos. Voilà. Merci. Silver, on va s'arrêter à Silver. Comme ça, je l'écorche pas, tu vois, mais je le raccourcis quand même. Donc, il n'est pas total parfait, tu vois. Hop. Mais du coup, voilà, le mamie, je crois qu'il va rester parce que je trouve comme ça à radoter, à blablater. Comme ça, je passe vraiment pour une petite mamie qui fait de la couture, et ça c'est tout mignon. Et du coup voilà, j'ai coupé mes petits morceaux, poum poum poum. J'ai plein de petits morceaux, c'est ça qui est cool. Ah, j'aime bien. Et puis là on jette tous les coupons et on demande à Blacky de tous les ramasser. On n'est pas sorti de l'auberge. Du coup hop, j'en prends 5. Fait une pyramide, mais je vais un peu les choisir parce que là je trouve pas qu'on ait beaucoup de choix différents. Je vais prendre plutôt celui-là. Ouais, celui-là, il a l'air cool. Tac, tac, tac. J'en ai 5. Et avant de continuer, on va recouper un morceau de 4 sur 4 pour faire la base. Mais c'est une partie qui est très jolie, là. Oh, c'est dommage de la gâcher pour du blabla, là. Et du coup, voilà, et on fait un morceau de 4 sur 4. Moi j'en fais directement 2 parce que je sais que je vais me viander. Sinon c'est pas rigolo, hein. Concrètement, si on se viande pas, c'est vraiment pas sérieux. Ahmed, need a name. Alors, moi je trouve que dans le cosplay plus qu'ailleurs, hein, d'ailleurs. On est beaucoup des débrouillards et je trouve ça génial parce que ça nous pousse un petit peu à nous sortir les doigts du cul. Enfin, pour parler proprement, hein, évidemment. C'est que moi, quand j'étais toute petite, je bricolais beaucoup avec mes grands-parents. C'était vraiment un passe-temps que je faisais vraiment avec eux, hein. Ma grand-mère, elle est couturière, hein, donc il y a des choses qui ne se perdent pas, voyez-vous. Et du coup, c'est quelque chose qui se perd. Quand je vois les jeunes maintenant, mais ils bricolent plus avec les grands-parents et je trouve ça trop dommage. Et déjà que bah, maintenant les mamans et les grands-mères n'apprennent plus à leurs enfants à coudre et du coup on sait plus faire un bouton. Je trouve ça quand même chelou, quoi. Et du coup je trouve ça extrêmement dommage. Et c'est pour ça que moi je suis une pro débrouillarde. Il faut qu'on arrive à se débrouiller, il faut savoir bricoler. Alors que je dis ça en faisant ma fière, hein, mais je suis incapable de planter un clou dans un mur. Hein, J'ai mis, je sais pas combien de mois à mettre un cadre au mur. Il a fallu que Petite Étoile, une très bonne amie à moi, vienne pour le faire. Regardez, regardez ce chat-là. Je le secoue. Le chat n'en a rien à foutre. Voilà. Alors, touc touc touc. Je bouge un petit peu mes affaires pour bien voir mon livre. Touc touc touc. Je tourne la page. Et on va commencer par préparer la colle. Du coup, vous avez un truc, enfin un vieux machin. Ça, c'est le morceau du détecteur incendie que ça va casser après 5 minutes. Ça fait un an qu'on est dans l'illégalité la plus totale en cet appart, puisqu'on n'a pas de détecteur incendie. Et mon chéri a trouvé la mal accrochée. Je sais pas comment il a fait son compte, parce qu'il n'est pas lourd ni rien. Je sais pas du coup pourquoi il n'a pas été bien accroché. 5 minutes plus tard, il était au sol. Du coup, c'est un peu nul. Et du coup, j'ai gardé un petit morceau utile.
Alors, on n'hésite pas sur la couche de colle, hein. Hop. De toute façon, on va beaucoup se viander, du coup, faut pas hésiter. Tac, 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 tac. Parce qu'on va tremper littéralement dedans. Hop, regardez. Hop. Hop là. Voilà, ça se voit pas très bien puisque. Voilà. Mais vous avez vu, j'ai mis une bonne grosse couche de colle. On est pas regardez. Ah, la RPG numéro 3. Ah, la RPG numéro 3. Je vois qu'il y a des fins connaisseurs de mes crises de nerfs. La RPG numéro 3 avait été assez compliquée puisque j'ai eu 3 semaines littéralement pour faire des costumes. Alors que ça faisait des mois que je leur courais après en disant « Mais dites, vous validez mes designs, que je commande le matériel et que je commande le tissu et que je prépare tout. Ouais, on s'en occupe plus tard, on n'est pas encore décidé. » Ah oui, d'ailleurs au fait, on tourne dans 3 semaines, hein, mais on ne pourra pas reporter le tournage d'un jour. On a des invités, on a un lieu de tournage. Du coup, démerde-toi. Et puis il y a eu ma tête. Et du coup, j'ai appelé au secours, ils vont. Et ça fait 3 semaines, 3 heures de sommeil par nuit, 2 000 œillets posés à la main. Mon état cérébral qui s'est vraiment dégradé. Vraiment. Alors, t'arrives à garder ta motivation tout le temps. Non, le trois quarts du temps, je reste au fond de mon lit avec Blackie à regarder Supernatural. Regardez comme il est beau. Il pense encore que je regarde Supernatural, là. Heureusement que les chirurgiens, ils savent coudre, sinon ce serait tellement la merde. Est-ce que Seb sait coudre et broder? Alors, je ne laisserai jamais Seb approcher ma machine à coudre. C'est quelque chose à ne pas faire dans sa vie. Et je pense que c'est très important. Non, Seb, il sait mettre un coup dans le mur, mais il est comme moi, il a la flemme de le faire. Mais il n'y a pas de souci. Donc, la première série de carrés, c'était 3 sur 3. Vous en coupez 5, minimum, enfin au moins 5. Il en faudra plus, hein, parce que vous allez louper des petits coches et tout. Et le deuxième, c'est pour est-ce que ce sera la base, en fait, le fond. Là, on va tout déposer. Il doit faire 4 sur 4. Et du coup, ce qu'on va faire. Mais non, non, mais c'est ça, c'est que. On ne peut pas prévoir ainsi des gros. Enfin, les vidéos, il faut d'abord les écrire. Et puis seulement, on peut seulement prévoir les costumes. Parce qu'ils passent de 1 000 idées et 1 000 jeux vidéo avant. Et du coup, ils vont me dire, ah ben comment celui-là? Ah ben non, pour finir, on ne le fera jamais ce jeu. Du coup, ben, ça sert à rien. Après, concrètement, la RPG3, ils auraient pu tellement prévoir. Et ici, les prochains costumes, ils ont un minimum prévu. C'est cool, est-ce que du coup je suis en train de bosser sur une grosse armure, je n'en dis pas plus, mais là j'ai bien 3-4 semaines pour le faire, donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Et là du coup je vais pouvoir enfin me déchaîner avec mon vrai pouvoir, parce que Canarman j'ai eu 5 jours, alors que ça faisait des mois que j'ai cassé les couilles. Vous la voyez ma rage là? Voilà, voilà. Alors du coup, on passe sur la petite fleur. Du coup, vous voyez bien que mon tissu a un endroit et un envers. Du coup, on me dit tout d'abord de poser le tissu d'un pétale à la main et de le plier envers contre envers. Donc, je plie. Donc, ça veut dire que ben, ça, c'est ce que je veux au niveau de l'endroit. Du coup, je le garde comme ça à l'endroit. Je le maintiens avec ma pince. Comme ça, vous voyez bien. Comme ça, on est cool. Hop là. L'étape suivante, c'est qu'en fait, on a notre petit coin qui est tout en haut ici. On va le déplacer comme ça pour repincer le tissu une deuxième fois. Et on maintient le bord. D'accord? Est-ce que là, on a bien tout suivi? Moi, je crois que j'ai suivi. Je pense qu'on est bon. Je répondrai à toutes les questions du chat entre deux pétales parce que là, je crois qu'on va bien galérer. Du coup, on a placé la pliure. Comme il faut, notre coin qui était tout au début en haut, maintenant il est sur la droite. Et maintenant, on prend l'angle qui est là et on va le rabattre à l'intérieur. Donc ça veut dire que je pince bien ce coin-là et je glisse ce coin-là là-dedans. Vous voyez ou pas? Ça veut dire que du coup, le but du jeu, c'est que les deux coins qui sont ici, pour l'instant opposés, vont venir se rejoindre par le milieu en mode bien casse-couille. Hop. Et je pince le tout. Vous inquiétez pas, je vais le refaire au moins 5-6 fois. Et voilà. Et du coup, nous avons une espèce de base avec le repli, le cœur qui est ici. Donc, je vous inquiétez pas, je vais le refaire plus près en remontrant bien à chaque fois. Donc, si vous avez perdu, ce n'est pas grave.
On va la refaire. De toute façon, je vais faire d'avance plein de pétales puisqu'il y en auront qui ne fonctionneront pas. Du coup, voilà. Et une fois que j'ai bien pincé et que je maintiens mon truc pincé, je découpe ce qui dépasse. Ce qui ne fait pas joli. Et je pose ma pétale dans la colle. Et vous voyez que du coup, j'ai pas mis tant de colle que ça. Et j'essaye de garder un peu ce tissu maintenu. Mais... Et vous voyez à quel point ce tissu est de la merde, puisque il ne veut pas rester en place. Et vous voyez le vrai premier plaisir d'avoir un tissu un poil trop épais, puisque voilà, juste faire ça, c'est pas rigolo. Il faut en plus que je me fasse du mal, évidemment. Et du coup, je vais finir par mastiquer le tissu pour pas qu'il bouge. Hop là. Hop là. Je pense sincèrement que j'ai un tissu un poil trop épais et que c'est un peu mon souci. Je savais que j'avais pas bien choisi mon tissu. Mais il est tellement beau ce tissu. Du coup, on croise les doigts pour que la pétale arrête de bouger. Et non, elle va continuer à bouger. Oh, la salope! Et pourtant, j'ai mis une quantité de colle hallucinante, mais je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas se donner, quoi. C'est incroyable, le tissu comme ça qui se retend et qui ne veut pas se laisser plier comme un enculé. Il me saoule, lui. Il me saoule. Là, franchement, lui, je vais lui faire sa fête à celui-là. Va me saouler jusqu'au bout. Ah, attendez, là on a le problème technique du tissu qui est en fait simplement quand le tissu est trop épais, je vais en prendre un autre, hein. Mais ça y est, la pétale elle bouge plus. En théorie, qu'on se mette bien d'accord, en théorie elle ne bouge plus. Je vais voir sa résistance. Non, elle se réécarte. C'est pas un tissu qui est suffisamment. En fait, il est beaucoup trop épais. Et comme il est très épais, eh ben, il ne se donne pas du tout. Et comme il ne se donne pas, eh ben, il va me casser les couilles. Du coup, on va utiliser un autre tissu. Un tissu qui va beaucoup plus se prêter à mon expérience. Hop, je me dépêche, je vais redécouper des petits morceaux. Touk, touk, touk. Et comme ça, ben, ceux qui ont eu du mal avec la première étape, on va pouvoir la refaire tous ensemble. Et vous voyez, et c'est ça la magie. Et c'est ça qui est magique avec la couture. La colle à chaud, non, puisque du coup, elle va transpercer le tissu en fait. Et je ne pourrai pas remodeler la fleur, puisqu'il faut pouvoir remodeler la fleur. C'est ça qui est important avec les fleurs de tsunami. C'est qu'on fait un premier pliage, on place dans un premier temps la colle. Et puis une fois que la colle elle est placée, eh ben, hop, on fait un pliage dans l'autre sens. Et du coup, je prends ce morceau de tissu, je le coupe un peu rapidement et n'importe comment. Hop. C'est pour ça que je teste aussi un peu les types de tissus. Et si vous avez plusieurs types de tissus à la maison, ben voilà, faut un peu essayer ce qui se donne, ce qui va se prêter au jeu ou pas. Il y en a qui font un petit point de couture, mais moi je trouve pas ça joli parce que du coup on va voir le fil apparaître. Et je trouve ça un poil dommage. Hop. Alors que là, hop, on peut juste avoir du coup ce petit morceau-là. Tac, tac. Je redécoupe 5 petites fleurs. Vous voyez, j'ai découpé des tissus à l'avance pour rire. Sniff, sniff. Vous voyez à quel point je suis douée, hein? On redécoupe des petits morceaux et regardez. Hop, moi j'ai empilé, j'ai un carré qui est impeccable. Hop là. Avant de tout redécouper d'avance, on va d'abord retester le tissu. Du coup, nous reprenons la fleur. On repart la première pétale. C'est que du coup, on plie, attention, envers contre envers. Le pli est vers le bas, d'accord? Le pli est ici, vers le bas. Du coup, le coin magique qui est opposé au pli, il vient sur le côté et on replie une deuxième fois. Hop, tadam! On retient bien le tout. Du coup, vous avez le premier pli qui est ici. L'autre pli
et là. Et du coup, maintenant, le coin du haut va aller se mettre dans le coin du bas. Avec les petites musiques d'Harry Potter pour accompagner la galère que va être cette fleur. Et du coup, comme ça, nous avons la petite pétale comme il faut. On découpe ce qui dépasse, ce qui n'est pas super joli. Et on le pose dans la colle, à côté de la pétale dissidente. Et on le plante dans la colle. Et on regarde si lui, il reste bien en place. Et regardez, c'est du bon tissu. C'est du bon tissu, il ne bouge pas. Il est là, il est bien, il ne bouge pas. C'est pas magnifique? Du coup, je vais rester sur ce tissu-là. Alors, hop, pour information, du coup, le premier tissu qui est très joli, il est assez épais. C'est du coton d'ameublement, très très épais. Il est vraiment très rigide. Donc, si on veut pouvoir le travailler, il faut vraiment prendre une pince et le plier avant de pouvoir le travailler. Et ceci, c'est un coupon qu'une amie à moi, Magali, m'a donné. Parce qu'elle dit, tiens, ça peut être très utile à moi. Et du coup, c'est quoi comme. C'est pas. Il est un petit peu élastique, donc il a un peu de jersey. Mais pas trop non plus. Voilà, il est tout mignon. Il ne bouge pas. Et regardez, il reste bien figé, planté dans la colle. Ce qui me permet de pouvoir garder le pli et de mettre ce qu'il faut. Et du coup, on recommence avec les plis. Alors, attendez, je prends un petit coup. Ah, je ne tisse pas le prochain JDG, désolée. Du coup, on recommence. Envers contre envers, l'endroit est à l'extérieur. Et comme ma fait rumeur, ça nous fait du coup un triangle isocèle. Tac. On prend du coup. Et là, et c'est là où ça devient important du coup de bien nettoyer votre épingle au fur et à mesure. Si vous avez des ongles, vous pouvez facilement jarter la colle. Sinon, vous allez galérer avec moi. Ah. Du coup, on remet du coup envers contre envers. L'endroit est à l'extérieur. Le sommet en face du pli, donc le sommet principal du triangle isocèle, est au-dessus. On le met maintenant sur le côté. On replie à nouveau. Tac, tac. Et maintenant qu'on a ce mini triangle, on rabat le coin supérieur sur le coin inférieur. Donc celui qui est en solo va se mettre entre ceux qui sont doubles, sinon il peut pas se glisser au milieu. Du coup, je reglisse le coin. Et c'est là que quand on a des grosses patounes comme moi, ça devient compliqué. Et c'est pour ça qu'avoir une pince, c'est vraiment cool parce qu'elle peut vraiment bien te pincer le tout. Et du coup, il va moins partir en couille en mode YOLO. Hey, je me casse. Regardez, hop, il vous suffit du coup de tenir le petit coin avec votre pince ici. Vous écartez délicatement les choses. Et vous pouvez replier les trois coins les uns sur les autres. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est ça, mais en mal fait. Voilà. Attendez, j'ai mal coupé mon. Il y a vraiment un petit bout qui dépasse vraiment fort. On recommence. On plie l'envers sur l'envers. On place le coin sur le côté. On replie. Tac, tac, tac. Et du coup, si ça, c'est là où ça devient difficile, et là, il faut être très méticuleux, c'est que le coin qui est en solo doit venir entre les deux petits coins là, en mode YOLO! On s'en va! Et du coup, ce coin-là est assez difficile à replier, en effet, puisque c'est un petit connard. J'ai décidé, ce sera le coin connard. C'est le pli connard. Je vais l'appeler comme ça. Il y a un autre nom dans le bouquin. Moi, je vais l'appeler le pli connard, puisqu'il me casse les couilles. On va peut-être l'appeler l'homme aussi. Haha, et du coup, c'est bon. Et il faut pas hésiter à venir trifouiller avec la petite pince, hein. Elle est là un peu pour ça. Pour bien refaire le pli, bien retirer. Parce que regardez ici, le but du jeu, après, c'est qu'on va écarter cette partie-là pour venir l'aplatir avec la colle, en fait. Vous voyez? J'essaie de viser. Et du coup,
c'est très important de bien réaliser ce pli. Donc, on le réaplatit bien. Y a plein de petits morceaux qui dépassent, qui ne sont pas jolis du tout. Et du coup, on coupe les petits morceaux qui dépassent et qui sont moches. Alors, vous inquiétez pas, hein, je vais réuploader les lives. C'est juste que j'ai la flemme et que j'ai pas pour l'instant envie de mettre sur ma chaîne YouTube les moments où je fais, où j'ai des gros mots. Ou que je dis non, mais lui c'est de la merde. Il faut un peu s'assumer et je l'assume pas du tout. Et du coup, regardez, hop. Plante bien la pétale dans la colle. Hein. Surtout, faut bien la planter. Ah, pour le coup, en matos, je rajoute une loupe. Ça, c'est pas, c'est très intelligent, ça, en effet. Voilà. Allez, du coup, on continue. On avance, on avance. On met l'envers sur l'envers. J'allais dire, on met l'envers sur l'envers. What? Arrêtez immédiatement la marijuana dans le chat. Hop. Quand on a notre triangle isocèle, hop, on le met sur le côté. On replie à nouveau. On effectue bien le pli en glissant bien l'épingle dedans. Ça va vraiment... Moi, je pense que ça va bien aider. Et là, du premier coup, on va légèrement écarter les pans. Je peux le faire. Un jour, je serai la meilleure en fleurs. Je me battrai sans répit. Si je fais une chanson, c'est que je suis vraiment trop désespérée. Je ne sais pas chanter du tout. Mais ça me fait beaucoup, ça me fait beaucoup rire intérieurement. Et je pense que vous devez vraiment être en train de vraiment bien rire avec elle en mode mais putain elle a pété un boulon elle. Et du coup on a bien rabattu le coin supérieur entre les deux autres coins de... Évidemment le morceau de tissu avec de la colle c'est venu se mettre sur la partie du dos. On coupe les petits bouts qui dépassent. Et voilà. Ok si tu arrêtes l'alcool de monde pendant la couture. Mais c'est de l'Arizona. Regardez. C'est de l'Arizona. C'est le thé le plus cher et le meilleur, le thé, enfin la boisson sucrée un peu thé, quoi. Parce que là, ici, voyez-vous, c'est trop démodé, quoi. Et du coup, on colle la pétale. On colle la troisième pétale. Et vous voyez, j'ai plus assez de colle pour la suite, donc on remet de la colle. Parce que c'est pas dressé. Regardez, Blackie, il se réveille, il se fait, oh putain, qu'est-ce qu'elle a encore fumé, l'autre? Je sais pas ce qu'elle prend, mais c'est encore de la bonne, elle a tout compris. Ah, je m'en lèche les couilles. Si je t'embête, tu viens m'embêter? Non. Non, je suis trop mignon. Je suis trop mignon, je m'appelle Blackie. Attendez, hop, on va mettre ça ici sur le côté. Tac, tac. Je vais garder ce dessous-là en mode grosse feignasse. Et voilà, et vous avez droit à mon chat, sa beauté, son charisme évidemment, sa beauté inouïe, son sens du Blackie. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. On met du coup l'envers sur l'envers à nouveau. On pince le... L'angle supérieur va sur le côté et on replie à nouveau. Hop. On glisse la pince pour bien faire le pli qui soit bien beau, bien propre, bien comme il faut. On tient le petit bout. On met le coin solo entre les coins du haut. On tente de ne pas tuer de gens au passage. Et on relisse bien le pli. Et on relisse bien les plis. On fait ça bien. Tac, tac, tac. Hop. Et les petits bouts qui dépassent, qui sont casse-couilles. Bye bye. Bye bye bye. Et voilà. Et oui, c'est ça qui est magnifique avec Blackie. Hein, c'est qu'il a toute la grâce, toute la beauté, toute la génialité. Voilà, c'est un chat. Du coup, on pose la pétale à nouveau dans la colle. Celle-ci se laisse un peu moins faire. Faut pas hésiter à bien la plonger dans la colle, hein.
J'affronterai les meilleures coutures. Je veillerai mon armure. Et Blacky viendra m'aider. Blacky se lèchera les couilles, surtout. Non, mais quand je vous dis qu'il en a rien à péter, je peux faire ce que je veux. Après, il va manger ma robe en guise de vengeance puisqu'elle traîne sa course, mais c'est pas grave. Et du coup, on continue évidemment en repliant à nouveau pour la dernière pétale sur les 5. Ouais. On n'oublie pas du coup le coin supérieur, on le passe sur le côté, on plie. Tac. On lise bien le truc. Alors oui, j'ai quand même un petit peu triché parce que j'ai quand même lu le bouquin. Du coup, j'ai eu le temps de m'habituer aux termes et tout ça et qui n'auraient peut-être pas été forcément les plus évidents à la base. On a bien lissé le pli. Et on glisse le coin solo entre le double coin du haut. Le coin du haut, là, le coin du haut. Il va me saouler, lui. Ah, lui, il va me saouler. Il va me saouler, il va me saouler. Comme je le disais tout à l'heure, à l'instant. Voyez-vous, mesdames et messieurs. On glisse le coin solo entre les deux coins du haut. Non, celui-là, il n'est pas bien équilibré. Je vais recouper un morceau. Lui, il me casse les couilles. Je sais pas pourquoi il m'a. Je sais pas ce qu'il m'a fait, mais il me casse les couilles. J'ai du mal à le couper. Il me casse les couilles. Du coup, je veux un autre morceau et puis celui-là, il est plus joli. Du coup. On replie, on n'oublie pas, n'oubliez pas, on met l'envers sur l'envers. Celui-ci aussi a un problème parce qu'il n'est pas carré, carré, carré. Il n'est pas carré, carré, carré. J'ai coupé n'importe comment mon tissu. Wouhou, c'est génial! Du coup, on a bien notre petit morceau. On met le coin supérieur sur le côté et on plie. On passe la pince. Bon appétit, Blackie. J'espère que t'apprécies beaucoup tes croquettes. C'est des croquettes au saumon, donc c'est cool. Et on fait passer du coup le coin supérieur entre les deux du haut. À l'intérieur. Je triche un petit peu. On n'a rien vu. On n'a rien vu. La délicatesse. Et on place la petite pince pour bien affirmer le pli, tranquillement. Je lisse bien tout, tac tac, je pince le tout comme il faut. Ah aussi, quand vous placez dans la colle les pétales, retenez dans l'ordre dans lequel vous les avez mises, puisque c'est important. Pour savoir où est la colle la plus fraîche. Parce que là, ça c'est censé être fait en 2-2, hein, voilà. Nous, on est des patates, on prend notre temps, parce qu'on n'est pas doué. Et bah, et du coup, vous avez vos 5 pétales. Ta-da-da-da. Salut à rien. L'étape suivante, c'est que du coup, quand on a mis ces pétales justement bah, dans la colle, il faut laisser la colle un petit peu s'absorber dans le tissu pendant 15 minutes. Évidemment, ça fait plus de 15 minutes. Ça va faire 15 minutes pour la première pétale et la deuxième un peu moins, etc. etc. Du coup, le temps qu'on les pose, on va être bien. Du coup, on prend notre petit piquet, notre petit bipique. Un petit pic, une petite languette, n'importe quoi, ce qui nous permet d'étaler de la colle. Et du coup, on étale de la colle. Donc, on chope de la colle ici. Et on l'étale bien comme il faut. Vous mettez une grosse couche. Là, avec la lumière, vous ne devez pas bien voir moi qui étale de la colle. Bon, mais je pense aussi que vous savez étaler de la colle. Hein. Enfin, moi, j'en fous partout. Du coup, je ne suis pas du tout un bon exemple. Je suis une catastrophe ambulante, j'en fous partout. Voilà. Regardez, j'en fous. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas propre, c'est pas lisse, c'est n'importe quoi. Et là, du coup, on va prendre avec notre pince les petites pétales. On va les poser tout doucement sur la colle. Regardez, hop. On n'hésite pas.
Tac, tac, tac. Et regardez, d'ailleurs, je n'ai pas assez de colle par rapport à la taille des pétales. Du coup, j'en rajoute sur les côtés. Allez, hop, on en rajoute. Faut pas hésiter, hein, parce que tout ça ne sera pas visible. Et tout ce qui va dépasser sur les côtés va être découpé. Donc, c'est pas grave, on peut y aller. Il vaut mieux mettre trop de colle que pas assez. Parce que si vous mettez pas assez de colle, bah, ça ne prend pas. Et du coup, c'est nul. On place la suivante. Alors, il faut bien les laisser légèrement écartées, hein, qu'on se mette bien d'accord. Il faut juste qu'elles soient espacées de la même façon les unes des autres, comme ça c'est vachement mieux. Voilà, vous les pincez bien. On continue notre combat. Je mets la petite sœur ici, là. Tac. Et elle va pas se laisser faire, la garce. Hein. Regardez, elle a tenté de se barrer. Ah, la garce. J'aurais dû clairement prévoir. Attendez, je vais vous zoomer la webcam, ce sera vachement mieux. Parce qu'en plus, Blacky a décidé de sortir de l'écran, donc il n'y a plus rien d'intéressant pour vous. Hop. À part mon décolleté qui n'est pas là, qui est absent pour une fois. Du coup, on va zoomer comme un chacal. Alors attendez, est-ce que du coup, on sait un peu mieux? Ouais. On va continuer, on va continuer, on va zoomer. Mais non, zoom. Ah là là, t'as pas encore compris le principe du zoom, toi. Hop. Mais non! Ah, oh, mais pourquoi dès que je quitte le truc, il me dézoome? Qu'est-ce que j'ai encore foutu comme connerie? Voilà, vous avez moi qui zoome. Ok. Ok. Du coup, je vous penche. Ah non, on ne voit pas bien, ça c'est pas cool. Vous ne voyez pas bien, je suis désolée. Et j'avais. Mon homme était en train de tourner son truc là. Je suis une garce. Hop. Du coup, je vais vous décrocher la webcam. Hop. Et il y a peut-être un poil trop de lumière. Voilà. Et on va tout simplement dézoomer. Pour que vous ayez une meilleure qualité, même si c'est de plus loin. Il vaut mieux rapprocher la webcam. Est-ce que du coup, cette lumière-là était plus intelligente? Celle-là est beaucoup plus puissante. Voilà, vous avez un meilleur contraste. Voilà. Il y a beaucoup moins de lumière, mais vous avez du coup une meilleure vue. Ben, c'est sa webcam, c'est pas ma webcam du tout, c'est la webcam de Seb pour tourner. Du coup, ben, je lui emprunte gentiment quand moi j'en ai besoin. C'est-à-dire le lundi soir, et uniquement le lundi soir, parce que sinon, quand je veux du Skype ou autre, moi j'ai ma tablette, donc j'ai tout le truc qui est inclus. Et du coup, bah aujourd'hui, c'était tournage aventure pour lui, et du coup, je n'ai pas pu récupérer rapidement ma webcam. Sa webcam qui. Voilà. On connaît le principe avec les femmes, quand elles utilisent une fois un truc, hop, ça leur appartient, et puis c'est tout. J'aime beaucoup ce principe. Et du coup, vous placez vos 5 pétales comme ceci. Donc vous voyez, ben voilà, c'est tout simple. Elles sont là. C'est pour l'instant pas super joli, moi je trouve. Mais du coup maintenant, on va faire un truc magique, c'est qu'on va venir placer. Et là, c'est là où normalement la magie est censée s'opérer. On va venir écarter la pétale tout doucettement. Et du coup, ça va s'ouvrir et ça va faire une jolie pétale, tout simplement. Voilà. Et du coup, on continue. On ouvre notre pétale, on glisse la pince en fait. C'est pour ça que c'est une pince. Hein. Hop. Et on tire, et on tire, et on plaque tout doucettement. On maintient les petits bouts. Et on écarte les petits pans tout doucettement. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne colle. Et c'est pour ça. Hop, tout, tout, tout. Allez, hein, hop. Du coup, on glisse ici dans la pétale la petite pince et on écarte tout doucettement. Et on écarte tout doucettement. Et là, moi, je trouve que on a un souci, c'est que 3 cm, c'est pas bien grand. C'est pas bien grand, du coup, je peux pas faire ce que je veux. Je peux pas placer un petit peu comme c'est. Enfin, c'est censé être tout petit comme truc, mais moi j'aime bien les trucs qui sont grands. Vous savez quoi? On va en refaire une juste derrière, maintenant qu'on a un peu chopé le truc. Mais on va prendre des carrés de tissu plus grands.
Comme ça, ils seront plus faciles à manier que les tout petits comme ça. Je trouve pas ça pratique à manier, les tout petits comme ça. Ah, Black, il s'est reposé sur sa chaise. Il est tout mignon. Et du coup, on continue à réécarter. Et voilà. Et du coup, ben voilà, j'emprunte la webcam de Seb pour faire mes petits lives. Hop. Mais là, je triche, hein. Je triche comme un gros porc. On n'a rien vu, vous avez rien vu, personne n'a vu. Voilà. Et du coup, on écarte. On écarte. Et voilà. Du coup, on a nos petites pétales qui s'installent. On essaye de pas trop tirer la base, puisqu'évidemment, ben, la base, c'est ça qui permet à la fleur de rester. Et du coup, je prends un strap au hasard. Je mets une couche hallucinante de colle dessus. Et je viens le mettre au milieu, comme ceci. Et voici du coup notre première petite fleur, toute mignonne, tout ce que vous voulez, toute pimpon. Faut pas hésiter du coup maintenant avec le pouce à légèrement écraser les pétales, en mode bonjour, je triche. Et voyez, regardez, c'est tellement petit que ça part en couille tout seul. C'est pour ça que je déteste les petits trucs et que moi je préfère faire une robe que de faire des petites fleurs comme ça. Parce que la robe, elle m'obéit. J'aurais pas d'autres petits straps un peu mignons à mettre. Et voilà. Et du coup, comme c'est très très petit, il faut être extrêmement précise. Et à moins d'imprécision, ben, c'est pas joli. Du coup, c'est ça qui est un peu difficile avec ce genre de petites fleurs. Et du coup, voici une première petite fleur. Tout, tout, tout. Alors, pour la prochaine fois, demande à Seb de te brancher un DSLR sur ton ordi, ce sera mieux. C'est quoi un DSLR machin? Yvon, c'est quoi les trucs dont tu viens de parler? C'est quoi? C'est quoi? Alors, j'utilise quoi comme colle? J'utilise de la colle sans couture. De la foire fouille qui est vraiment pas mal du tout, elle est cool. Mais il y a d'autres colles qui fonctionnent, il n'y a pas de souci. Et paf, ça fait des chocapics, et paf, ça fait des chocapics. Et du coup, on va laisser ça sécher pendant une bonne demi-heure. Et après, on va venir découper ben, les trucs qui dépassent. Comme ça, ben, du coup, là de ce côté-là, vous aurez de. Vous pourrez coller, tout ça, c'est plus simple. Hein. Canon X. Voilà. Ah oui, mais voilà pourquoi tu dis pas que c'est un appareil photo directement, espèce de banane. Non mais dis donc, Yvon. Et du coup, voilà. Et du coup, on va refaire une petite fleur comme ça, mais on va la refaire en plus grand. On va reprendre exactement le même tissu, parce que je l'aime bien. Mais on va le reprendre en plus grand. On va rajouter 1 cm à chaque bord. Comme ça, ce sera beaucoup plus agréable à utiliser. Parce que là, hop là. Du coup, on redécoupe les petits morceaux. Enfin, petit, 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 voilà. Hop, je vais le couper sur l'envers. On va déjà finir de couper cette bande-là pour pas qu'elle me gêne. Alors quand vous tracez, moi je vous conseille de toujours faire ça sur l'envers, comme ça si vous avez un faux coup. Parce que là je suis obligée d'y aller au bic. Hop. Et du coup, par exemple, ben là mon équerre aristo, elle fait que 3,5 maximum. Donc c'est pas le top du top. Et en plus, comme il a une tendance un petit peu à bouger ce tissu. Méchant tissu. Méchant tissu, méchant tissu. Stupide tissu joufflu. Pour le bien le caler et qui ne bouge pas et qui ne se. Oh là là, quel emmerdeur. Littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Hop. C'est pour ça que le coton, c'est quand même un poil plus facile. Mais. Vous savez quoi, on va pas prendre un truc avec des motifs. On va prendre mon coton tout ça pour orange. J'ai envie d'être chiante. Voilà.
Voilà. Je suis chiante. Du coup, ouais, regardez, là, j'ai pas assez en profondeur. Du coup. Là, du coup, je fais mon trait sur 3,5 et je vais refaire un trait de 0,5 cm après pour faire mes 4. Hein. Voilà, je ne vais pas vous apprendre à faire des maths. On sait toujours compter jusqu'à 4, sauf Blackie. Parce que Blackie est un crétin. Mais Blackie est très mignon en ce moment même, donc je peux lui pardonner d'être un idiot. Un chat ne peut pas avoir toutes les qualités, sinon ce ne serait pas un animal de compagnie, mais le maître du monde. En fait, les chats seraient les maîtres du monde s'ils n'étaient pas des grosses feignasses. Je pense surtout que c'est ça le vrai souci des chats. Voilà, du coup, on part sur du 4 sur 4. C'est un petit centimètre, hein. Du coup, c'est pas énorme, mais sur une pièce comme celle-là, ça change tout. Je vous dis tout de suite, ça va tout changer. Je ne sais pas si ce sera en bien ou en mal. Je change de tissu, je change de pièce. Je change, je fais tout, je fais tout, je fais des tests, on fait des expériences ensemble. Là, vous ne devez pas voir bien grand-chose. J'ai 1, 2, 3, 4 carrés. Il m'en manque un. Et le petit dernier. Et du coup, on est parti avec la paire de ciseaux. J'étais à deux doigts de couper mon tapis. Bravo. Bravo Bécasse. Bravo Bécasse. Et du coup. On coupe bien les petits morceaux, du coup du 4 sur 4 pour essayer. Voilà. On les empile. Bam bam bam. On coupe un morceau de 5 sur 5, évidemment, pour faire la base. Et je vais de nouveau le couper dans un tissu un peu plus épais. Je trouve que c'est vraiment mieux de couper ça dans du tissu plus épais, même si c'est pas à raccord ou autre. Je préfère. Du coup. Là, on est parti sur du 5 cm. Ça ne marque pas puisque c'est blanc sur blanc. Bravo. Stupide pichouflou. Et voilà. Là, du coup, pour l'instant, la colle elle sèche sur la petite fleur et tout ça. Et on recommence tout le processus depuis le début. Donc, on vire le pic, on met plein de colle, on fout de la colle partout. Alors là, on n'hésite pas à abuser, hein. Vous avez bien vu à quel point ça prenait vite de la place. On tente de l'étaler un petit peu, hein, pour pas que ça fasse trop de grumeaux moches, même si c'est raté, parce qu'il va y en avoir tout plein. Et on recoupe, on repart avec notre petite pince. N'hésitez pas à de nouveau bien gratter la colle qui est dessus et à admirer avec un petit tour de vomito Blacky trop mignon. Il est magnifique, il est là, il est pour nous. Je vous présente Blacky. Voilà, excusez-moi, je vous refais un petit tour de vomito. Voilà. Du coup, on n'oublie pas. J'ai mal coupé mes carrés. Comment j'ai pu être aussi conne et mal couper mes carrés? C'est incroyable! D'où est-ce qu'ils ont 5 cm ces carrés-là? J'ai fait du 4 sur 5. Débile! 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 Je me présente, je m'appelle Aurore. Je suis un. Petit peu de débile. Bon, c'est pas grave, hein, faut pas chercher. Ça arrive même au meilleur. Confondre 4 et 5, hein, oui. Hein. C'est très intelligent dans la vie.
Le premier qui sort que c'est une habitude de femme de se tromper, plout. Non, mais c'est pas grave, j'ai mis 2 x 0,5, il faut compter les traits à la craie, etc., etc. Du coup, on plie envers sur envers. Bon, là, il n'y a pas de sens de tissu, mais pour ceux qui ont des motifs, on pince le tout. Et là, je pense qu'avec de nouveau le coton, on va repartir dans le plaisir du pli qui ne veut pas se faire. Je le sens. Je sens que je vais devoir redécouper le tissu. Je plie à nouveau comme ceci. Je tiens le petit bord. Et je glisse. Et je glisse. Crognard. Crognard, crognard. Parce que malheureusement, pour bien voir ce que je fais, je dois approcher le morceau de tissu de ma tête. Du coup, je sors un petit peu de votre champ. Et ça, c'est nul pour vous. Je triche, hein, évidemment. Sinon, c'est pas rigolo. Je fais bien mon pli. Hop. Hop. Je découpe tout ce qui dépasse après avoir effectué correctement mes pétales. Et vous voyez, avec un peu plus grand, c'est beaucoup plus facile déjà à utiliser. Et attention, mesdames et messieurs, est-ce que le pli va bien accepter de tenir? On va un petit peu le maintenir par sécurité. J'espère que la musique d'ambiance est toujours aussi agréable. Harry Potter, c'est une valeur sûre. Et attention, mesdames et messieurs, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Voilà, c'était vraiment que le coton de tout à l'heure était beaucoup trop épais. Et du coup, on continue. On va un petit peu accélérer le rythme. Du coup, on plie l'envers sur l'envers. Ça nous fait un triangle isocèle. La pointe est au-dessus. On la met sur un côté. On replie pour avoir un plus petit triangle. Si, il y a encore de la musique, hein, mais elle est juste plus basse. On maintient bien le tout. Le coin qui est en solo va venir s'incruster entre les deux coins. On triche parce qu'on défait la pince, on met les doigts partout, c'est parti, voilà. Exactement, tac, tac, tac. On a nos petits coins. On fait en sorte que le pli soit bien propre à l'intérieur en passant la pince. On prend la pince et on appuie. Pourquoi ça tienne? Non, voilà, c'est pour ça. Il conseille vraiment des tissus qui sont assez fins. Il vous conseille du coton et de la crêpe. Crêpe, crêpe. Chaque fois que je pense à crêpe, je vois le truc à bouffer avec du Nutella. Donc, je ne suis pas très aidante. On la plonge dans la colle. J'ai oublié de couper le petit bord qui dépasse, c'est pas grave, tant pis, tant pis, tant pis, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Là, 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 je fais n'importe quoi. Blacky me regarde avec un air assez désespéré. Je suis très contente de l'avoir sorti de l'écran, je crois qu'il doit même être un peu jaloux. Du coup, on recommence. Le triangle isocèle, on le place sur le côté, je place ma pince, on plie. Alors le fait de placer la pince vraiment au milieu, ça permet que le pli soit vraiment bien droit, bien beau, bien tout ce que vous voulez. On remet le coin supérieur ici. Ah ah! Des crêpes! Ça y est, ça fait réagir les gens. Oui! Après le live mamie brodeuse, on aura le mamie cuisinière. Ce sera plutôt mamie fait cramer la cuisine. Parce que je suis très nulle en cuisine. Je sais pas si vous avez des bêtes noires dans votre vie, mais moi c'est la cuisine. À part pour faire des mecs. Une fois que je fais des maquilles, ça n'avait pas de soucis. Ça, c'est cool. Voilà. J'ai replié du coup le coin supérieur. Avant d'oublier, je découpe tout de suite tout ce qui dépasse et qui est moche. Tout, tout, tout. Ce que j'ai oublié sur l'ancienne. J'appuie bien fort. Hein. N'hésitez pas à appuyer avec la pince. Alors, c'est une pince que j'ai eue avec la surjeteuse. Elle me permet de bien enfiler le fil dans tous les petits rebords et tout. Je vais devoir la tremper dans du dissolvant avant de pouvoir la réutiliser, je pense. Je passe bien le tout. Voilà. Regardez, elles ne bougent pas depuis tout à l'heure. Elles sont super sages et tout. Elles sont bien. Elles sont bien. Elles sont bien. Elles sont bien. Elles sont toutes mignonnes. Et regardez,
ça aussi, c'est que je vous montre, j'aime bien vous montrer ma collection de verres. C'est que c'est Planète Hollywood de Disney. On avait été pour mon anniversaire. Et j'avais fait chier parce que je voulais aller manger à côté du casque de Predator. Et je crois qu'on s'est retrouvé entre le casque du Predator et un Gremlins, peut-être, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus, c'était quoi la créature super moche à côté. Mais bon, c'était cool parce qu'on avait le masque du Predator. Et d'ailleurs, le serveur était adorable. Et du coup, c'était super cool. C'était un super bon week-end d'anniversaire. C'était tout l'amour. C'était trop bien. Et puis, c'est notre ami Jordan avec qui on est allé. Et il est trop chouette. Parce que c'est Jordan. Mais en fait, c'est là, c'est que je vais les faire cramer les crêpes. C'est surtout ça. Je suis vraiment une quiche en cuisine. Je me suis jamais super intéressée. À part pour faire des makis. Parce que j'aime beaucoup les makis. J'ai tellement envie de bouffer tout le temps des makis que voilà. Mais j'ai un chéri qui fait des sublimes pancakes, tu vois. Donc à partir du moment où t'as quelqu'un qui fait des sublimes pancakes à la maison, qu'est-ce que t'as besoin d'apprendre à cuisiner? Voilà. Tout est de la faute de Seb, évidemment. Voilà. On repasse bien. J'oublie à chaque fois du coup de vous redonner les étapes, mais je crois que maintenant on a un peu compris le principe. Enfin, je pense moi en tout cas l'avoir compris. Hop, j'espère là en tout cas l'avoir bien expliqué. On coupe les petits bouts qui dépassent et qui sont moches. Et on trempe dans la colle. Et on trempe tout ça dans la colle. Again. Et voilà. Tata. Oh, Blacky, là, il est reparti dans sa sieste. Il me regarde avec son air. Arrête de parler, tu me saoules, humaine. Tu me saoules. Donc, on refait notre triangle isocèle avec le coin en haut qui passe sur le côté. On replie le tout et on accentue bien les plis pour que ce soit bien propre et tout. Le coin qui est en solo, on le met au-dessus et on met notre coin, nos deux coins du haut en dessous. Et on glisse le coin solo entre les dos du haut. Ça me rappelle un petit peu les trucs en papier qu'on peut faire. Mais les pancakes, c'est pas plus gras qu'une crêpe, hein. Bonne soirée, Arisu! Mais je trouve que les pancakes sont pas si. Voilà, la différence c'est le lait Ribot, je pense. Après, sinon, c'est de la farine, c'est des œufs comme des crêpes, quoi. Mais c'est. Voilà. Mais après, le vrai truc avec les pancakes, c'est le sirop d'érable. Ah, le vrai sirop d'érable, on en a ramené du Québec. Enfin, Fred et Seb ont été invités, du coup, Serena et moi, on a accompagné. Et du coup, je remplis la valise de sirop d'érable. On a déjà foutu en l'air, on faisait une valise, parce qu'il y a un bouchon de sirop d'érable qui a sauté. Comme un connard, saloperie de merde. Et voilà. Et du coup, nous avons nos 5 pétales. Et vous avez vu, j'étais beaucoup plus rapide que la première fois. Oh, parce que déjà c'est plus grand donc c'est plus facile, etc. etc. Mais du coup, on va commencer à étaler la colle sur le morceau ici. Alors là, je vais juste pas du tout dessiner. Je vais en foutre tellement partout. Partout, 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 partout. Et j'en ai même foutu sur mon tapis. Hop. J'ai du croco bleu. C'est du sky bleu marine. De chez Toto Tissu, qui a malheureusement fermé à côté de chez moi. Enfin, à côté, j'avais quand même une heure de bus pour y aller, mais c'était cool quand même. D'avoir un comme ça, hop. Là, du coup, là j'en ai une bonne quantité, je pense. On va encore attendre un petit peu que la colle s'imprègne bien et tout ça. Ah ouais, le pain perdu aussi, ça c'est trop bon! On va tous avoir se donner envie de bouffer à la place de faire de la couture. Alors, je suis en train de chercher un petit peu les gros jouets que j'ai. Parce que là, comme la fleur va être grosse, on va trouver plein de trucs à mettre. J'ai plein de brillants. Je sais pas pourquoi, mais j'adore avoir plein de brillants comme ça. Ou soit je mets plein de gouttes d'eau pour décorer un peu plus, peut-être. Je sais pas. Et moi, j'ai un gros souci, c'est que j'ai beaucoup de mal à jeter des affaires. C'est que du coup, je conserve tout. Ce qui rend un peu cinglé mon homme, ce qui est logique. Et du coup, quand je fais un tri, mais je fais le tri de la violence et je suis là. Non! Mais en même temps, il y en a tellement besoin.
Et évidemment, une semaine après le tri, eh bien, il y a plein de choses qu'on a jetées, qu'on aurait dû, qu'on se dit, putain, j'aurais dû le garder, j'en ai besoin là maintenant. Ça va faire 4 ans que j'en ai pas besoin, mais le jour où je le jette, j'en ai besoin. Je crois que je vais mettre plein de petites gouttes. Et puis un rond au milieu, ça va être vraiment pas mal du tout. Désolée, hein, je fouille dans le pot. Ouais, Toto Tissu, il a fermé à Rennes. Et attention, la mairie l'a fermé. Parce que c'était un local de la mairie donc, où Toto Tissu louait. Ils l'ont fermé comme des vieilles radasses. Genre, ils ont fait, ben voilà, dans 3 mois, vous êtes fermés. Du coup, eux, ils n'ont eu aucun moyen de retomber un peu sur leurs pattes. Et donc la mairie a fait, voilà. Et attention, mesdames et messieurs, nous avons ouvert quelque chose qui n'a absolument pas à Rennes. Une brasserie. Ah oui, mais si c'est de la colle qui sèche rapidement, là, ça doit être très très compliqué. Là, j'avoue que là, ça doit être très compliqué. Ça veut dire qu'il faut que tu accélères beaucoup plus, en fait. Et que du coup, la partie où là, moi, je papote et que je fous rien, il faut que tu accélères tout de suite et que tu places les pétales. Et limite, tu vois, quand on a fini une, directement venir les placer sur le petit bout. Enfin, j'en ai foutu partout, du coup. On place la pétale. On place sa voisine. Et on continue comme ça. On replace pour faire une étoile. Alors, eux, ils collent très très fort au centre, les pétales. Voilà. On place bien les petites pétales. On ne fera pas les doubles aujourd'hui, mais je crois que ce sera un petit live que je ferai une fois par mois. Les fleurs comme ça vous avez du temps pour faire vos petits tests sur la première, etc. etc. Du coup, comme ça, c'est vachement plus sympa, je trouve. Tout, tout, tout. De toute façon, moi, j'aime beaucoup alterner les sujets de mes lives, comme ça me laisse du temps pour travailler entre deux lives. Et ça, c'est cool. Et voilà, mais comme je disais, pour Toto Tissu, ben voilà, ils ont voulu une brasserie, du coup, ils ont fait une brasserie. Ça a été la liquidation. Alors maintenant, il reste un tout petit Toto Tissu, mais il fait même pas un tiers, même pas un quart de l'ancien, du coup, c'est la cata, c'est nul. Et du coup, là, c'est laissé tomber, quoi. Alors, on va mettre une brasserie, c'est hyper original, à Rennes, quoi. C'est pas comme s'il y avait juste tellement que ça, que c'était déprimant, quoi. Surtout que le magasin se trouve entre deux brasseries, hein. Donc, je sais pas ce qu'ils essayent de faire, mais ils font n'importe quoi. Mais, du coup, en plus, y a 4 employés qui ont été virés, alors qu'elles sont compétentes. Du coup, moi, je reglisse un petit peu de colle entre les pétales par sécurité, parce que j'ai aucune race. Et du coup, on réécarte. Allez, hop, on ose, on écarte. Il faut pas hésiter, du coup, à écarter et plaquer, du coup, la pétale. Voilà, moi, j'hésite pas. Quitte à ce que ce soit pas joli. Et je... Hop. Ouais, que des vendus. Moi, je trouve ça nul. Et du coup, Fox Director, voilà, comme c'est de la colle à séchage rapide, je pense que tes pétales ont dû bien sécher entre-temps. Mais en soi, c'est pas grave, parce que du coup, si tu gardes la technique, mais que tu changes juste l'instant où tu poses en fait les affaires, tu pourras y arriver. Tu pourras y arriver sans souci. Là, je crois que c'est une question de timing. Si c'est de la colle à séchage rapide, là, c'est un peu compliqué, tu vois. Hop. Parce que du coup, voyez-vous, hop, moi ce que je fais, c'est que comme j'appuie du coup sur le centre, là, elle s'est pas bien passée. Tac. Eh ben, on a vraiment une impression de pétale. Alors eux, ils vont très très loin dans l'ouverture. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire de l'ouvrir à ce point-là. Ça fait. De toute façon, je vais vous montrer les photos hein, de l'original après. Touc, 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 touc. Et j'hésite pas à un petit peu tricher, hein, comme je le dis, hein. Je suis, enfin, faut qu'on se débrouille. C'est que, hop, j'appuie et du coup, si je sens que mes côtés ils partent un peu, ben, je viens repincer discretos. Hop là, on n'a rien vu. Vous avez vu quelque chose? Pas moi. Allez, hop, on pince. Et du coup, nous avons un cheveu qui s'est glissé sur la fleur. Du coup, ça c'est pas joli. On n'hésite pas à réappuyer. Donc moi, là maintenant, j'y vais vraiment comme c'est une grande fleur, je peux me le permettre. Je réappuie bien. Comme ça reste bien dans la colle. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. On remet une couche de colle
au milieu pour mettre les perles. Alors moi, sincèrement, ce que je vais faire, c'est j'ai une hésitation. Je vais glisser des grosses perles comme ça. Des grosses gouttes. Du coup, il m'en manque. Je m'étais dit des petites gouttes, c'est pas mal et tout. Non, bah. Moi et la discrétion, ça fait deux. Du coup, là, j'ai une, deux, trois, quatre grosses gouttes. Je vais en trouver une cinquième et on va mettre des grosses gouttes. Comme ça, ce sera bien visible. Bonjour. J'aime les grosses fleurs, j'aime les grosses gouttes, j'aime les gros coups, j'aime les gros blackies. Alors, vous ne le savez pas, mais Becky continue à se lécher les couilles en fond d'écran, hein, derrière. C'est pas un accent de Liège que j'ai, c'est un accent tournaisien, mesdames et messieurs, à côté de Lille. Donc c'est voilà, je suis une Belge de frontière, tu vois. Donc ça va, ça va, ça va. L'accent de Liège. Il y a que les Liégeois hein, pour être fier de l'accent liégeois. Hop là. Du coup, je glisse. Regardez, ma grosse goutte dans la pétale. En mode, j'ai aucune race. Comme ça va encore un peu aplatir et ça va vraiment faire un petit effet de dégradé que j'aime beaucoup comme idée. C'est pas, j'aime bien les jeux. J'aime bien. Je suis assez contente de ma deuxième fleur, c'est tout. Je suis juste contente. Du coup, je glisse bien à chaque fois ma gougoutte. Et on va revenir mettre un gros rond au milieu parce que c'est cool les gros ronds. Oh, mais avouez, l'accent de Liège, il est violent. Il est violent l'accent liégeois. Non, le pire, c'est le vieux bourgeois bruxellois. L'accent typique du vieux bourgeois bruxellois, il est violent. Point barre. Vous ne pouvez pas me le retirer. En tant que Belge, on peut partir. C'est toujours la blague, c'est le. On compare. Le liégeois est toujours vexé parce qu'on le compare au bourgeois. Le bourgeois bruxellois avec les une fois. Les une fois là. Non, je crois qu'il y a aussi Namur hein, qui a un bel accent. Bah, de toute façon. En Belgique, à partir du moment où on va en Flandre, déjà, là, on est foutu. Hein, donc, là, c'est même plus un problème d'accent, c'est un problème de langue. Oui, je parle mal. Et moi, je me suis tapé 6 années de néerlandais, hein, mesdames et messieurs. Et je peux vous dire que c'est horrible. Déjà que l'enseignement, c'est pas top. Mais alors, l'enseignement des langues, alors là, franchement, oh, c'est violent. Aïe, j'ai mis de la colle partout. Regardez, je m'agace. C'est encore la faute des néerlandophones, des flamands. Voilà, vous avez bien vu. Hein. Je parle d'eux et bam, il n'arrive que des couilles. Du coup, on place bien, on replace un petit peu comme on veut les gougouttes. Du coup, je vous montre un peu ce que ça donne. Regardez, les gougouttes. Et ça brille tellement qu'on ne voit rien à cause de la lumière. Et au milieu du jus de quille, je vais mettre un gros machin ici. Hop là, un gros rond. Alors là, il ne faut pas lésiner sur la colle. Puisque comme c'est de la colle à tissu. Hein. Hop. Alors j'ai mes doigts pleins de colle, j'en ai mis plein sur ma perle, c'est génial, je kiffe. Et du coup là, maintenant avec ma petite pince, je replace mes petits plis comme j'aime bien. Pour que ce soit impeccable, impeccable. Hein, impeccable. Allez hop hop hop, impeccable. Hop. Ah oui, non, non, mais le chocolat liégeois appartient à toute la Belgique. Faut pas déconner non plus, hein. Ils peuvent pas se garder. S'ils ont l'accent le plus pourri, ils peuvent pas se garder le chocolat liégeois. Et du coup, regardez du coup la fleur, comment elle donne. Je vais essayer de bien vous la cadrer. Ta-da! Ah! Elle tombe, au secours. Alors là, la colle n'est pas du tout sèche. Elle met beaucoup de temps à sécher. Ici, elle me dit combien de temps. Il n'est pas marqué. Il faut attendre 10 minutes. Ah oui, pour un bon résultat, elle sèche sécher 24 heures. Et on peut commencer à la laver après 72 heures. Du coup, ben, moi, ce que je ferai, c'est que demain. Je posterai sur la page Facebook évidemment la petite fleur en fait et tout. Et du coup comme ça vous avez les deux fleurs. Donc vous avez la fleur du début avec le petit carré qui elle a déjà bien séché et la deuxième ici. Du coup vous voyez c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut prendre du temps et qu'il faut avoir une bonne pince, une bonne colle. Il faut choisir un tissu qui nous convient et qui convient surtout au modèle. Oula, j'arrête pas d'avoir la chaise qui grince. Donc, attends, je vais me reculer. Attention, vomito, c'est reparti. Voilà. Là, je vais me remettre en grand. Comme ça, vous pouvez voir Blacky qui se lèche les couilles. Non, il a arrêté. Je suis fière de lui. C'est très bien. Tu as arrêté les attentats à la pudeur. C'est vraiment bien, Blacky. Et du coup,
C'est vraiment cool avec ce genre de petites, hop, de petites choses que c'est facile à faire. Ça ne coûte pas grand-chose. Surtout, c'est ça qui est cool, hein. C'est, regardez, moi, mon tube de colle ici qui fonctionne très bien, qui est un tube du coup de la Farfouille, il coûte 3,90 €. Si mes souvenirs sont bons, voilà, c'est 4 €. Vous récupérez, ben voilà. Après, le plus compliqué, c'est l'alarme incendie, hein, pour récupérer le capuchon. Il faut bien que l'alarme incendie tombe, sinon c'est pas valide. Attention, hein. On est d'accord? Si mon homme regarde ce live, il va venir m'écorcher vivant. Une équerre qui mesure bien. Surtout, apprenez à bien lire votre équerre, pas comme moi, parce que je sais pas ce que j'ai foutu tout à l'heure, mais c'était pas une bonne idée. Ne prenez pas du tissu trop épais, même s'il est très joli. À ce moment-là, il faut changer de colle. Tout simplement, changer de colle. À ce moment-là, si vous voulez absolument faire un gros épais comme ça, il faut changer de colle. Faut vraiment taper sur une colle très violente. Et d'ailleurs, mais du coup, qui colle très rapidement. Ça veut dire qu'il est instant. C'est par exemple le pistolet à colle chaude, maintenir vraiment le truc. Même si je suis pas certain que le pistolet à colle chaude ce soit top du top. On essaye, je vais essayer. J'essayerai et moi je vous tiendrai au courant un petit peu les petites choses que je vois et tout ça et tout ça. De toute façon, il y a 8-9 modèles, hein, qu'on se mette bien d'accord. Du coup, moi je pensais la semaine prochaine, ben, on va faire du coup la double, c'est-à-dire qu'on va repartir sur des fleurs la semaine prochaine. Je le maintiens. Et du coup, ce sera la double. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une petite différence, c'est qu'on va avoir deux morceaux de tissu. Et que du coup, au moment de l'assemblage, quand on va plier, ben, on aura deux morceaux en fait. Et du coup, ça fera un pliage légèrement différent. Mais la super glue, je ne sais pas en combien de temps elle prend en fait. Mais moi, c'est surtout c'est les taches sur le tissu qui me perturbent. Et comme après, il faut quand même qu'il y ait un peu de mouvement dans le tissu pour pouvoir réécarter la fleur. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va. C'est pour ça que je vais essayer et je vais vous dire quoi. Moi, je vais faire. J'ai plein de colle, hein, de toute façon. Enfin, j'ai le pistolet à colle, j'ai la néoprène, j'ai la sans couture, la colle à bois, j'ai même les petits pots de colle nuls. Vous savez, eux. J'ai tous les essayés. Et moi, la semaine prochaine, enfin, dans la semaine, je vous redirai un petit peu quelle est la colle qui m'a le plus plu, tout simplement. Et du coup, hop. C'est vachement plus simple. C'est vraiment tout mignon. Donc. N'oubliez pas, une pince, mais même une pince épinière, ça fonctionne, ça fonctionnera moins bien parce que c'est plus difficile à bien pincer. Quelques perles, ou si vous voulez faire bling bling strass power. Alors d'ailleurs, pour la terminer, cette fleur, le plus simple, c'est que du coup, quand la colle a séché, vous venez de découper tout le contour, hein, tout simplement. Puisque du coup, dans le but du jeu, va coller. Ouh là là! C'est, vous regardez ici tout en bas, ici là. Vous voyez l'endroit et l'envers, c'est vraiment, hop, on découpe tout autour de la pétale les morceaux qui débordent, tout simplement. Et du coup, ben voilà, comme ça, vous pouvez aussi voir un peu les schémas. Parce que je ne sais pas si j'aurai le droit vraiment de les mettre vraiment sur Internet comme ça, mais je vais voir un petit peu si je ne referai pas un tuto photo pour vous montrer les étapes. Voilà. Mais comme ça, à mon avis, je retenterai de faire une expérience, de vous faire des photos et de réassembler le tout avec 2-3 conseils à gauche et à droite. Ce sera une bonne expérience, je pense, pour moi, apprendre tout simplement à bien expliquer les choses. Je crois que c'est hyper important. Le verre de thé, c'est le sablier de chez Geek. Le verre est vide, elle a plus le temps. Je mets quand même beaucoup de temps à boire un malheureux verre. Mais du coup, bonne nuit, la petite fée. Mais nous, ici, on va boucler d'ici 10-15 minutes, hein. Parce que moi-même, je fatigue, j'ai chaud, et puis regardez, regardez Blackie. Là, il se dit, c'est bientôt l'heure de m'appâter. Et du coup, il va devenir chiant. Alors, surtout, n'hésitez pas à avoir du dissolvant pour pouvoir nettoyer facilement la colle, etc. Hello, Jachiro! Mais il faut que directeur, t'inquiète pas, je suis certaine que tu peux y arriver. C'est vraiment, c'est tout con, mais c'est une question de patience et d'avoir des longs ongles. Sans longs ongles, c'est la merde, je rigole. Mais c'est vraiment une question de patience et de prendre son temps et de vraiment y aller étape par étape, respirer. Parce qu'à partir du moment où on s'énerve, c'est foutu. Je m'étais énervée comme ça sur une pièce et ça sert strictement à rien, mais ça met vraiment bien le nerf à l'épreuve. C'est ça qui est bien, c'est ça qu'on aime. Mais du coup, vous allez voir, c'est les fleurs rondes doubles. Il y en a de deux types différents. Elles sont pas spécialement compliquées. Elles sont juste plus longues. Il faut juste un peu bien manier les trucs.
Et c'est comme ça. Vous choisissez bien votre tissu. Prenez le petit matos. Je le reposterai avec une petite légende, avec un petit écriteau et tout. Je ferai ça bien. Mais qui tourne pas le dos aux gens, toi? Oh là là. Attendez. Vous savez quoi? Je sais que vous l'attendez depuis le début. Oh. Dis bonjour au live. Oula. Oula, oula. Non, mais vas-y, monte ta bouille, comment t'es trop mignon. Salut, je suis Blackie, je suis trop mignon. Je vais conquérir le monde. Alors, je vais juste retirer. Ah, mais non, non, lèche pas la colle. Oh, mais qui crétin, lui. Première chose qu'il fait. Ah, tiens, une fleur, je vais lécher la colle. Regarde, 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 regarde. Salut. Salut, regarde, tourne-toi, là. Oh, oui, dis bonjour au chat. Oh, bidi bidi. Voilà. Comme ça, on va pouvoir commencer à se faire des petits bisous et tout. J'espère que vous avez apprécié le live, que j'ai été suffisamment claire, que j'ai pas trop radoté. Mais à un moment donné, moi, j'aime bien quand je montre quelque chose, chaque fois, redire. Non, on va pas boire mon thé, toi. Il fait, excusez-moi, mesdames et messieurs, ce chat fait n'importe quoi, j'aurais pas dû l'embêter. Et voilà, hop. Il va rester comme ça avec moi. Il va rester avec moi, il m'aime. De toute façon, c'est l'heure de la pâtée, donc il fait ce que je veux pour avoir sa pâtée. Regardez, je peux jouer de la batterie. Attention. Étends doucement tes pâtes. T'es prêt? Et 1, 2, 3, 4. Poum, 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 poum. Je peux faire des montagnes russes avec lui. Il y en a marre. Je suis désolée, Blackie. Mais du coup, je ne vous ferai pas Yoda et Batman. Je suis désolée. Il va rester avec moi. Il va me faire des câlins jusqu'à la fin du live. Même s'il ne m'aime plus. Même s'il ne m'aime plus. Allez, chaton. Hop, on va te faire grimper là. Ça, tu reconnais. Tu reconnais ton perchoir, c'est bon. Et voilà. Il se casse. Il se casse. Mais voilà, il ne restera pas avec nous jusqu'au bout du live. Mais en même temps, il s'est mis de la colle partout. Enfin, j'ai peur qu'il ne s'est pas mis de la colle partout, ce crétin. Mais la première chose qu'il a voulu faire, c'est lécher. C'est lécher les fleurs, donc. Quel crétin. Et j'ai mangé un poil de Blackie, c'est pas bon du tout. Et du coup là, donc les textures elles sont pas compliquées, c'est juste de la patience et des petits et du bon petit tissu. Je rappelle que du coup le bouquin c'est Fleurs en Tsumami. C'est pas un jeu de mots avec tsunami et des mamies. Quand même, hein, ce serait quand même chaud. Hein. Voilà, c'est fait par Yukiko Tsuchida. Là, c'est marqué sur la bannière en haut, pas la bannière mais le petit truc qui défile. Je suis super fière de moi parce que du coup. La photo qui est en fond d'écran et qui fait l'écran d'ouverture cette fois-ci, c'est une photo que j'ai prise au Japon. On était pile poil au moment des cerises en fleurs, donc c'était super cool. Et comme ça, je vous ai montré une petite photo. C'est ça qui est rigolo. Et je ne l'ai pas dit du tout. J'aime bien m'éclater à faire des petits layouts comme ça, avec chaque fois des petites images, essayer d'accorder les couleurs. Après, je ne suis pas spécialement douée, hein, qu'on se mette bien d'accord. Il y a des gens qui font ça vachement mieux que moi. Mais moi, j'ai la webcam, j'ai le chat, j'ai le petit logo, j'ai un petit truc qui défile. Je suis vraiment contente. Et vous avez surtout Blacky. Est-ce que les autres streamers, ils ont Blacky? Ah, mais non. Donc ça c'est vraiment cool. Mais moi du coup, je vous le répète, hein, je radote. La colle sans couture de la Foirefouille, c'est vraiment une petite merveille. Et même quand vous avez un problème avec un cosplay de dernière minute, c'est cool parce que enfin, vous pliez, vous le laissez sécher jusqu'au lendemain et puis on n'en parle plus. Donc ça c'est vraiment cool. Ça met 24 heures à bien bien prendre. C'est vrai que c'est un peu long, mais ça remplace vraiment une ligne de couture. Vraiment. Et pour arriver à arracher la couture, faut vraiment y aller. Du coup, je vous remontre une dernière fois les petites fleurs. Donc la shiny argentée du bling bling. Ah, j'ai totalement craqué, laissez tomber. J'ai totalement craqué. Totalement. Et bien, n'hésitez pas à bien appuyer. Hein. Normalement, tout doit bien tenir ensemble. Si vous avez laissé la colle suffisamment agir longtemps, avant de tout assembler, il n'y aura pas de souci, elle ne bougera pas. Moi, je vous conseille, hein, les 15 minutes, c'est quand vous avez fini de mettre toutes les fleurs, quitte à ce que la colle soit un peu trop sèche, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Et vous l'avez ici, du coup, en taille normale, tout simplement. Donc, la valeur. Mais attendez, c'est quoi ça? Et attends, t'as vu tous les bling-bling là? Elle vaut plus que 50 euros la fleur, hein? Oh là là, oh là là, hein? C'est quoi ça? Quand ça brille, ça vaut cher. C'est la loi. C'est la règle. Mais du coup, ici, la petite, elle est un peu moins bien faite puisque j'avais pas trop osé. Je suis un peu peureuse toujours de mal faire les choses.
Mais on peut faire ça avec plein de couleurs de tissus différents, avec plein de petites choses comme ça. C'est ça qui est très très cool. Juste pas le celui-là de tissu. C'est ça qui est nul. Ou c'est moi qui ai mal fait mes plis, c'est possible. Parce que c'est moi qui ai mal fait mes plis. Du coup, je reteste avant de partir. Du coup, je fais mon triangle. Je replie. Non, il veut pas. Hein. C'est vraiment une saloperie. Hein. C'est un fils de pute ce tissu. Je pense que si je maintiens un petit peu comme ça, à mon avis, il faut que je crée vraiment bien fort les plis, en fait, c'est ça. Faut que je le coince, faut le coincer dans une pince quand c'est un peu plus épais comme ça. C'est ce qu'ils conseillent sur certains modèles en fait de fleurs. Comme le pli est plus compliqué, slash particulier, ils veulent vraiment. Et puis le morceau, au vu de l'épaisseur du tissu, il est trop petit, en fait, c'est ça aussi le souci. C'est que le morceau de tissu, il est trop petit, du coup, il n'y a pas la place de bien animer le pli. Pas animé de bien le placer en fait, c'est ça le problème. Du coup, je pense que si je fais une fleur comme ça, je la ferai en plus grand. En passant bien comme ça. Je pense qu'on doit, du coup, si on veut faire du tissu plus épais, je pense qu'il faut bêtement agrandir le carré. Parce que ça fonctionne avec des 3 sur 3, des 4 sur 4, 5 sur 5. On peut même faire des fleurs avec des pétales de 10, hein, y a pas de souci. Salut Blackie! Et du coup, je pense que là, pour une pétale plus épaisse, il vaut mieux littéralement faire un truc plus grand. Je vais le tester, pas aujourd'hui, parce que je vous avoue que je suis fatiguée, j'ai les mirins les yeux. Tout ce que je veux, c'est mon lit, mon chat est super naturel, je vous l'avoue. Et je suis à l'épisode 2 de la saison 9. Les mecs, ils ont trop craqué, c'est trop bien. Et moi, je vais attendre que, parce que je sais que sur le chat, il y a des gens qui sont pas encore à jour sur Supernatural. Et que je crois que je ferai un live que j'appellerai Spoil Supernatural, ne venez pas si vous n'avez pas vu telle saison. Et pendant 2 heures, on fera un débat sur les décisions, y compris les personnages et tout. Mais Misha Colling, c'est celui qui joue Castiel, a encore trop, enfin, a encore joue encore merveilleusement bien. Je crois que c'est vraiment un de mes acteurs préférés. Il a au niveau, au niveau facial, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Il a vraiment des expressions, des mouvements, même corporels globaux, je sais pas. Tout, c'est vraiment, c'est violent. Il se raidit de façon différente, il penche différemment la tête en fonction de quelle phase de Castiel il est là. Aucune idée, mais oui, non, mais Supernatural, j'ai commencé ça il n'y a pas très longtemps et j'ai bouffé ça. De toute façon, les 3 premières saisons, je les ai regardées en français pour pouvoir broder dessus. Comme ça, j'avais les voix. Quand je voulais regarder, je pouvais mettre un petit peu pause et tout. Et ça, c'était cool, quoi. Et à partir de la 4, ben, j'ai tout regardé en VO parce que la voix de Castiel. Voilà. Depuis que je l'ai vue en VO, les voix françaises sont très bonnes. Mais les voix anglaises, elles sont. Voilà. Ils ont des putes. Je sais pas comment ils font, mais j'ai l'impression qu'en France, on les a pas, ces ténors-là, au niveau masculin. Et je trouve ça super dommage parce que c'est super sexy, il parle anglais. Parce que, hop, regardez du coup, cette fois-ci maintenant, comme j'ai bien pensé en fait la. Ouais, voilà, évidemment, je fais tomber. La pique fait tomber! Non, la pique! Tu fais chier la pique! C'est quoi, comme j'ai pris du temps pour penser vraiment le pli avant de le poser dans la colle est un poil plus sèche, donc elle le catche mieux. Voilà. Voilà le truc quand vous avez des tissus trop épais. Désolé, hein, je papillonne. Mais du coup, voilà, vous avez vraiment la pétale, elle ne bouge pas une fois que la colle est un peu plus sèche. Voilà, la colle doit être un peu plus sèche, vous devez pincer plus longtemps pour bien placer le pli et votre tissu épais fonctionnera. Du coup, je vais pouvoir faire une mini fleur comme ça, elle va être trop belle. Oui. Je parle encore de Supernatural, mais c'est ce que je suis en. Et puis j'écris des fanfictions Supernatural en ce moment, donc ça c'est la cata, c'est la cata. À ce moment où tu t'es, où on plonge là-dedans dans Supernatural, c'est foutu, c'est foutu. Mais Supernatural, ils vont sortir la saison 12 en octobre. C'est ça qui est cool. Et voilà, mais Misha Collins pour moi c'est l'un des meilleurs acteurs. Et du coup j'ai craqué. J'ai fait ce que les gens qui collectionnent vraiment les figurines comme Seb, enfin je collectionne pas énormément les figurines, mais quand je vois une belle figurine, je la veux. On a une belle collection, par exemple, avec les Mikkos et tout ça. C'est les pop. Les pop, c'est vraiment pas des belles figurines. Ça a une grosse tête, il n'y a pas beaucoup de détails. Les gros yeux noirs sont un peu creepy. Et en soi, j'ai deux pop.
J'ai Elsa de Frozen, que mon chéri m'avait ramené une fois parce que je m'étais fâchée sur lui parce que j'avais besoin d'aide, il n'était pas là et un live allait commencer pour JDG Event et j'étais là, bébé, pourquoi t'es pas là? C'est la cata, j'arrive pas! Et j'avais braillé comme ça. Ah non, on me spoil pas, hein. Ça c'est non, hein. On me spoil pas, ça c'est la cruauté. Et du coup, il m'avait ramené une petite pop Elsa, mais il avait mis un temps de dingue à la trouver parce que il y avait chaque fois des défauts en fait, et c'est ça qui était un problème. Mais je continue et je suis à écrire de Harry Potter. Il n'y a pas de souci, c'est juste que du coup je fais des tournantes. C'est qu'à la place de faire des pauses à rien foutre ou à embêter Blackie, j'écris du supernatural. Parce que tu ne peux pas faire que du Harry Potter sinon tu pètes un boulon. Mais le spoil donne le cancer. Si vous me spoilez, tue. Voilà. Mais du coup, les pop, c'est le mal. Mon chéri m'avait trouvé du coup la Elsa. Et en fait, j'avais trouvé du coup la Severus Snape. Je me suis dit, bah, pour une fois, je trouve que la pop avec les yeux noirs, ça correspond bien à ce qu'on décrit souvent le regard de Snape quand, avec des grands yeux noirs. Et après, en convention, c'était à Japan Tour, on m'en a réoffert une autre. Du coup, ben, l'ancienne, je lui ai dit au revoir, Byton, et j'ai gardé celle qu'on m'avait offerte, c'était trop mignon. Et là, du coup, j'ai acheté une pop hyper chère, collect, enfin, qui part en beaucoup d'exemplaires et tout. C'est cassé avec les ailes. C'est une pop édition spéciale, bidule, machin, mes couilles. Il y a plusieurs Castiel. T'as Castiel normal, Castiel avec le pull de Noël, Castiel avec les ailes. Je crois que je vais toutes les acheter parce que j'ai aucune race. Et j'ai acheté la petite Dim et la petite Sam. Ah. Mais pour une fois, c'est tout con, il n'y a pas de figurine supernaturelle. Et du coup, ben, voilà, on chope la pop puisqu'il n'y a rien d'autre, quoi. Donc ça va. Ah, le cancer à ceux qui spoilent. À celui qui spoil, attention. Hein. Attention. Hein. Oh. Faut pas déconner non plus, quoi. Mais du coup, voilà, la pop, c'est vraiment pour moi pas une figurine de haute qualité. Mais c'est une figurine qui est cool parce qu'elle est. Il y en a vraiment dans de toutes les séries et tout. Et du coup, quand il n'y a pas de belles grandes figurines ou que les figurines sont trop chères, eh ben, hop, on se rabat sur la pop. On a un bon petit souvenir et c'est cool. Et ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, j'ai commandé la pop Castiel avec les ailes. Du coup, je vous la montrerai en live. Mais ça, c'est trop cool. Ah, et du coup, c'est les pop de Sirius et de Luna, est-ce qu'elles sont belles ou pas, Joshiro? Parce que moi, je sais de Snape. Moi, je sais qu'un jour, je finirai par craquer sur celle de Sirius et celle d'Harry. C'est pour leur faire des trucs ensemble. Est-ce qu'il y a celle de Lupin? Est-ce qu'il y a celle de Remus Lupin en pop? Ça, c'est vraiment la grande question. Aucune idée. Alors là, c'est la grande question. Est-ce que la pop de... De... Non, il n'y a pas la pop de Rémus. C'est quoi ce bordel? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de pop de Rémus Lupin? Sérieusement, les gars? Rémus? Comme ça, il peut faire des bisous de pop à Sirius, sinon il va se sentir tout seul, tu vois. Puis tu peux pas faire. Il y en a, je sais pas. Ben. En humain, évidemment. Mais en fait, c'est ça, c'est que de nouveau, faut pas déconner, des figurines Harry Potter, il y en a des magnifiques. Ça, tu peux pas dire. Attends, moi, je vais te sortir mes deux. Je vais vous montrer. Attendez, ah, désolée. Ah, attendez, je vais vous montrer un peu la différence entre une vraie figurine. Non, mais qui te rabat ta tout de suite. Et un pop. Voilà, je vais vous montrer. Je vais prendre 5 minutes. Regardez, ça c'est la pop. Il n'y a pas de détails, il y a des grands yeux noirs, c'est une grosse tête. Ah oui, Blacky, là, il sait qu'il va avoir de la bouffe, donc là, il en peut plus. Donc là, vous voyez qu'au niveau de la taille, bah, ça rentre comme ça au niveau de la main. Regardez, là, regardez-le. Je viens sniffer des fleurs. Voilà, je tiens Blacky.
Mais voilà, mais je trouve, enfin, voilà, les pops, c'est vraiment un bon petit truc. Ça coûte 10 ou 13 euros, donc ça va, tu vois. Si tu payes une pop 50 euros, ou que t'es comme moi, conne, et que tu prends une édition un peu spéciale avec des ailes de Castiel. Regardez mon fauteuil. Hein, monsieur le chat? Voilà, il fait des griffes, rien à péter. Et du coup, voilà, cette question avec les ailes, elle coûte 30 euros. Je l'ai prise parce que je suis un pigeon. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Voilà, mais du coup, celle de, regardez, celle de Severus, la cape, on a les petits boutons, on a bien la baguette, les yeux noirs sont un peu flippants, la tête est grosse, voilà. Après, on commence à aller vers une nouvelle collection. Enfin, pas une nouvelle collection, c'est une vieille collection, justement. On la trouve plus et Seb, c'est pour Noël qu'il me l'a offert. Elle est super cool. Elle est un peu. Alors, il y a la baguette qui glisse tout le temps. Je n'arrive pas à bien la placer parce que j'ai jamais pris spécialement le temps d'essayer de le faire. C'est qu'elle glisse. Hein. Du coup, là, les accessoires sont fragiles. Il y a les mains qui tournent. On peut bouger les bras. Voyez-vous, hein. On peut quand même bien un petit peu bouger le tout. C'est ça qui est cool. Mais moi, j'ai toujours peur de les abîmer, donc je les manipule pas trop. Donc là, c'est vraiment un honneur que je vous fais, hein. Hein, voilà. Et du coup, voilà, on peut légèrement écarter la cape avec le plastique et tout. On peut vraiment voir les détails. Et au niveau du visage, là, on est vraiment à un détail beaucoup mieux. Où on a vraiment les cheveux. Regardez tous les boutons, les cols. On a vraiment une bonne bouille. Hop là. Alors non, j'achète pas plein de pop comme Seb prend les amiibo. J'ai pour l'instant deux pop. Et je crois que la collection va vraiment s'agrandir puisque je vais craquer, c'est pas possible autrement de me... c'est impossible de ne pas craquer. Je vais prendre la Harry Potter, donc il va y avoir la Harry Potter, la Sirius et la Remus quand elle arrivera. Mais je crois que j'ai commencé vraiment à les acheter maintenant pour être sûre de ne pas un jour tomber en radouteau ou autre. Je vais prendre la Sam et Dean Winchester de Supernatural. Et il y a toute la collecte de Castiel. Elles sont... Il y a le pull rigolo de Noël. Attention. Hop. Ne tombe, faites pas, faites pas tomber vos figurines trop près des fleurs avec de la colle. C'est pas une bonne idée. Et alors là, je vais craquer. Voilà. Non, franchement. Attends, t'as je sais pas combien de Harry Potter, de Hermione, les trois héros principaux. Snape, concrètement, t'as la Medicom, t'as la Pop, t'as celle que je viens de montrer. Il y a l'autre ici que je vais seulement vous montrer maintenant. Et il y a un buste. Tout le reste, il n'y en a pas. Alors que Harry, je peux te trouver une quinzaine de figurines différentes de Harry. Il y en a beaucoup qui sont moches. C'est ça le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont moches. Ah mais Sirius et Remus, là, laisse tomber. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, sinon, c'est après le tome, enfin, avec le film numéro 6, Snape est passé en number one dans le cœur de tout le monde. Et du coup, voilà. Et du coup, regardez, tada, la Snape. Donc regardez, là, le visage, moi, je l'aime beaucoup. Il est très... Il n'est pas centré. Il est très beau. Vous avez vraiment le détail sur le col. Regardez, j'ai un socle aussi hein, dans lequel tu plantes la chaussure et tout. Et la cape, vraiment, alors là, il y a vraiment une mobilité au niveau de la cape puisque je peux totalement la retirer. Mais je n'ai jamais eu envie de le faire et je ne le ferai à mon avis jamais puisqu'il est trop cool. Et voilà, ça c'est mon chéri. Ah oui, non, mais les figurines Good Smile, laisse tomber, c'est tellement au-dessus. Mais en même temps, entre la pop à 10 euros et la Good Smile à 40, merci. Hein. C'est ça aussi, c'est que. Sirius et Remus, il y en a très très peu. Ah si, voilà, c'est vrai que... Ah, c'est bon, Blacky, il est parti. Du coup, voilà. Oui, personne n'aime bien Harry, à part pour que Snape lui fasse son affaire, quoi. Mais du coup, voilà, franchement, la pop, moi, je trouve que c'est une qualité... Enfin, c'est vraiment... Pour une figurine à 10 euros, c'est vraiment correct, c'est cool. On peut avoir plein de personnages, et ça n'a aucun risque, parce qu'il y a plein de personnages qu'on n'a jamais en figurine. Il existe zéro figurine Supernatural. J'ai cherché. Au revoir. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. J'ai pas trouvé, donc ça me saoule. Du coup, j'ai acheté plein de pop parce qu'eux, ils ont été intelligents et puis c'est tout. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment pop. C'est vraiment c'est très mignon. C'est un peu les grands œufs noirs. C'est un peu chou. D'ailleurs, la Castiel, la première chose que je vais faire quand je vais la voir, c'est mettre du gros papier collant tout autour de l'œil et le peindre en bleu. Il est censé avoir des putains de grands yeux bleus. Moi, je triche. Voilà, je modifie un peu mes pop et puis c'est tout. Mais voilà, mais franchement les pop ça vaut trop le coup et je pense que je vais craquer. Mais du coup, je vais arrêter pour ce soir. Moi j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez du coup
appris 2-3 petits trucs avec moi ce soir. On refera des petites fleurs. Moi, je pense que je vais en refaire la semaine prochaine pour refaire les doubles. Après, ce qui va se passer, il faut bien ne pas oublier que les Geek Fairies, c'est dans tout bientôt. Et que du coup, si vous êtes cosplay et que vous venez aux Geek Fairies, inscrivez-vous. Ça, c'est hyper important. Inscrivez-vous. Alors, je vais d'ailleurs dans le chat prendre 2 secondes pour vous poster le lien. Parce que j'avais gardé en mémoire et tout exprès pour que ce soit bien. Pour pas faire n'importe quoi. Au secours, excusez-moi. Pardon. Je vais juste, du coup, le concours cosplay. Où suis-je? J'ai fait n'importe quoi. Putain, j'ai mon copier-coller a disparu. Non! Voilà, je vous mets le lien dans le chat, comme ça, si vous êtes. Voilà. Voilà. Si vous allez au Geek Fairies et que vous avez un cosplay ou que vous faites du cosplay Harry Potter, allez vous inscrire. C'est super rigolo, on va bien s'amuser et tout. Ah. Oh, t'es trop mignon, toi! Fox Director, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Les prochaines fois, tu feras des belles fleurs et comme ça, je pourrai te retweeter quand tu auras fait des belles. Bah, je te retweete déjà maintenant hein, parce que j'ai aucune race. Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais voilà, allez faire le concours cosplay, que ce soit le côté Harry Potter ou pas. Il y a des petits lots, des petits colliers que moi j'ai fait, que vous pourrez. Enfin, pour les 3 premiers, il y aura des petits lots symboliques et tout, parce que c'est trop mignon, c'est trop l'amour. C'est les Geek Fairies, passer, nous faire des bisous et tout ça et tout ça. voilà. Alors, non, Yvon, j'ai pas encore commencé le montage des vidéos, parce que Seb ne m'a toujours pas réinstallé mon logiciel de montage. Donc, c'est la catastrophe. Donc, à partir de ce soir, c'est la période casse-couille. Avec moi qui est là, allez, s'il te plaît, mon logiciel, s'il te plaît. Et comme ça, je vais pas du tout monter les 2 vidéos qu'on a tournées avec Yvon, mais je vais faire des amis-vie de Castiel et Dean parce qu'il n'y en a pas beaucoup et que ça me manque et que j'en veux. Non, c'est absolument pas moi qui craque. Mais voilà. Mais du coup, si vous allez au GF, parce qu'il faut y aller, il faut y aller, participez au concours cosplay. Parce que c'est Blacky, le jury, même s'il n'y est pas. Du coup, moi je vous souhaite une bonne soirée. Gardez le lien dans tous les cas. Mais dans tous les cas, profitez bien de votre fin de soirée. La semaine prochaine, moi je vous refais un petit live avec des fleurs de tsunami. Le lundi suivant, je ne pourrai pas être là parce que j'ai ma maman à la maison. Du coup, le live sera le mardi et sera consacré au GF. Je ferai un truc spécial GF, je sais pas. Je ferai la danse des GF, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais je ferai un truc avec les GF. Voilà. Du coup, la semaine prochaine, les fleurs. Puis le mardi 16, ce sera live spécial. On se chauffe pour les GF. Mais du coup, faut vraiment pas hésiter. Les GF, c'est le bien. Repassez au prochain live. Même si vous n'avez pas spécialement fait la fleur cette fois-ci, c'est dans le même genre. Du coup, si vous avez déjà écouté une première fois, essayez de juste réunir le matos. Il y a plein de coupons qu'on peut avoir à Cultura ou à la Foire Fouille de tissus qui correspondra bien à ce genre de modèle. Et je vais vraiment essayer de repasser à Cultura parce qu'ils ont vraiment des beaux cotons très fins, mais avec plein de motifs super rigolos. Donc ça pourrait vraiment être sympa. Et du coup, n'hésitez pas à repasser. Attendez, oula, j'ai un bug avec le chat. Le cosplay, j'imagine. Un cosplay de l'avatar de Ultima. Je ne connais pas celui-là. Mais à mon avis, en fait, le cosplay qui vous plaît, c'est ça le plus important. Et les jurys, enfin, dans ce cas-ci, les GF avec moi, ben, nous, on aura une photo de référence. Vous allez nous parler de votre personnage. Vous allez vous dire ce que vous aimez bien, etc. etc. Et vous devez faire vivre votre personnage. C'est ça le plus important. Faites-le vivre. C'est ça qu'on veut voir. Ah, Shoshiro, appareil photo. Ce sera pour compter le vote de Blacky, ce sera le cosplay le plus bouffé. Chiche. Le cosplay le plus abîmé par un chat. C'est le prix spécial Blacky. D'accord. Ok, bah je ne connaissais pas du tout Ultima, mais j'irai jeter un coup d'œil. Et du coup, voilà. Et du coup, bah, je vais vous souhaiter je vais finir mon verre, puisque c'est évidemment mon sablier comme dans Fort Boyard. Mais du coup, voilà. Donc la semaine prochaine, je referai les fleurs. Je ferai le modèle suivant. On fera le papillon. Il y a le papillon aussi qui est cool.
Voilà. Mais on va rester sur de la fleur ronde banale. Moi, je vais faire plein d'autres petits tests. Je vais vous conseiller la meilleure colle que j'ai trouvée. Je vais essayer celle-là avec de l'amidon. Moi, je pense que celle-là, elle est top du top. Puis, ça fait un petit Snape. 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 J'ai craqué. Et là, il y a Blackie qui est là. Mais qu'est-ce qu'elle fout, l'humaine? Qu'elle me nourrit, ce bordel de merde. Sabrina, l'apprentie sorcière. Ça c'est cool. Mais du coup, je me répète, hein, je suis une mamie, j'ai le droit de me répéter autant que je veux. La semaine prochaine, on fera les fleurs en tsunami, un poil plus compliqué, mais je ferai une simple, toute basique et tout. On découpera, je vous donnerai un petit peu, je vous montrerai plein d'exemples. On testera la. Je vais tester la colle à amidon. Celle qui comptait dans le livre, du coup, je vais en choper et tout. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Non, absolument pas de séance photo. Oups. Du coup, voilà. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais nourrir Baki parce que là, regardez, il devient impatient. Regardez, il a l'air déprimé de pas avoir sa bouffe. Du coup, je kidnappe la qui sur mes genoux à nouveau. Haha. Parce que c'est le plus beau de tous les chats noirs. Hein, le string. Doubdou. Et on vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Salut, salut. Ah non, attends, t'en fuis pas. T'en fuis pas, je suis trop mignon, je suis Blackie. Bye bye. Il y en a tellement rien à foutre, c'est ça? Allez hop, grimpe. Non, tu grimpes pas? Ah si, si, si. Je suis un ouf, moi. Je grimpe. Je grimpe pour lui au revoir. Salut, salut. Ciao, ciao. Passez une bonne soirée.